Je lance l'enregistrement. Voilà, c'est bon. Tu vas pas te relancer trop loin ? Ta gueule. Ça commence bien. Yes. Alors, résumé de la session précédente. MDR, j'ai pas écouté. Pardon. Alors, on a fini par écrire nos lettres qu'on allait poster. On a écrit nos lettres à notre famille, à nos proches, à tous ceux qui ont voulu écrire nos lettres. Ce coup-là, c'est pas empêché de lire nos lettres. Comment ils ont écrit ? De les critiquer aussi. Comment ils ont écrit La Luz de la Muerte ? Et qui a fait sa grammaire espagnole. Qui a forcé sur la grammaire. Après ça, nous sommes allés voir le marché parce qu'il y avait la poste à côté. Certaines personnes ont revu quelques, on va dire, connaissances. Et nous avons trouvé, enfin, et des gamins sont venus nous voir pour nous demander de les aider à retrouver leur padre qui a disparu depuis une semaine. Nous sommes allés poster, enfin, on leur a dit qu'on y réfléchirait, on allait poster nos lettres et on a décidé d'aller les aider. Donc on est allé voir la mère qui nous a dit, bah écoutez, il est parti là-bas, enfin elle nous a donné les infos qu'on avait besoin. Et après lui avoir proposé un prix assez raisonnable pour nos services, et après avoir écrit une lettre aussi pour... Non, on n'a pas encore écrit la lettre pour Ender. Mais nous allons écrire... La prochaine tâche que nous allons faire, c'est écrire une lettre pour Ember pour lui avertir de notre situation. C'est ce qu'on était en train de décider, et on venait de repartir de la maison de cette chère mère qui a perdu son mari pour le moment. Ouais. Enfin, on va le retrouver. Certainement. On lui a pas dit qu'on le ramènerait vivant. On n'a rien promis. Hein. On lui a dit qu'on le retrouverait. Également, cette madame a le même nom de famille que le nom de famille de la maman de mon personnel. Je pense que c'est un... Je crois c'est que c'est... C'est une coïncidence, peut-être. C'est une coïncidence, sûrement. Très sûrement. C'est un nom de famille courant. I'm seeing that. Voilà. Coïncidence, peut-être, mais sûrement pas, vu le MJ. Le MJ qui fait 17 pages. Tout de suite. Je pense pas qu'il l'ait prévu. Oh, méfie-toi du maître du jeu. Qui fait des pavés de jeu. Faire mal au personnage que je joue. D'ailleurs, faut que je prépare le jeu doc d'ailleurs. Moi je suis si méchant. Ah gros, je suis méchant. Ce salaud de MJ. Salaud. Regarde. Ah oui. À quelle sauce je mange ce soir ? Alors, sauce au poivre, Bernet... Dis pas ça, il a déjà faim, le pauvre vieux, là. Pour une fois que c'est pas moi qui n'ai pas mangé. Pas dans ce sens-là, le qui. Vous étiez parti de la maison de Flora, il me semble. C'est ça. Ouais. Juste sorti, ouais. Ça va peut-être pas le coup que je vous mette la map. Bah, remets-nous en ville, sinon. Là. Oh, tous ces PNJ sexy. Alors, ma carte penchant amoureux, je la place sur qui ? Ah, d'ailleurs... Faut que j'ai un nouveau logo pour les gardes. Je sais sur qui il faut la mettre. Non, pas là. Oh non. Sur lui. Mais c'est Lucky qui doit décider. Sauf oui, si oui. Je lui vole sa carte. Bah vas-y, essaye. C'est une menace. Essaye.
Essaye, tu vas voir. Bien, du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes sorti de chez Flora, vous êtes revenu en ville. On devait pas aller chercher une enclume pour monsieur, là? Non, on a dit qu'on ferait ça plus tard. Oui. Qu'on en achèterait une à... Stalingrad. Stalingrad. Eh ben, moi, je propose que l'on décide qui est le chef. Mais pourquoi? Je propose que ça soit moi, le chef. Et pourquoi ça soit moi, le chef? Pourquoi forcément un chef? Parce qu'il faut toujours un chef. Bah... pas forcément. Bah si. Sinon après c'est l'anarchie et tout le monde sait pas quoi faire et on est là, on attend que quelqu'un prenne une décision et personne la prend et on attend, et il se passe rien. Elle a raison. Faut pas vous énerver. Bah je suis pas énervée hein. Intense. Non ça va. On a encore un instant, j'ai cru hein, quand même. Ah non non. Je propose que ce soit calme là, ça se voit quand même. Alors, si on a tous un avis à donner, on a tous. Moi, je vois pas pourquoi on aurait besoin d'un chef. Mais qu'il y ait un chef, ça veut pas dire qu'on peut pas donner notre avis, hein. Non, mais elle a raison en un sens. Ça veut juste dire que si on doit trancher, c'est lui qui tranche. On peut voter, non? Enfin, on est que 4, c'est pas comme si on était 15. Et c'est le bordel si on devait voter. Bah moi, je propose que ce soit le vieux. Non. Hors de question. Bah pourquoi? Parce que je ne suis pas bon pour donner des ordres. Bah vous avez eu 7 enfants, non? C'est pas la même chose. C'est pareil. Mais non, c'est pas la même chose. Mais si. C'est pas la même chose d'avoir 7 enfants que tu élèves... Que tu élèves pendant toute ta vie et devoir gérer des gens que tu connais depuis pas longtemps sans savoir tout et n'importe quoi sur eux non plus. Dans des situations que tu n'as encore jamais fait avant. Faut pas exagérer. Moi je m'approche de lui et je patte le dos. Alors, en essayant de contrôler ma force, mais est-ce que je lance un jet pour le contrôler? Non, 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 il n'y a pas besoin. Non. Le cache thoracique qui ressort par l'avant. Oh non! Putain. Non, mais, des entrailles sur le sol. C'est voilà. le pat-pat un peu fort, tu vois, c'est genre tu fais ouf quand même un peu. T'es pas renvoyé par terre, mais t'es en mode ouf. En mode non, mais vous inquiétez pas, je suis sûr que vous seriez très bien vous débrouiller en tant que chef. Oui, mais je ne veux pas. Vous êtes le plus sage d'entre nous. C'est pas parce que je suis vieux que je suis sage, loin de là. Et si ce serait pas vous ce coup-là? Moi? Mais moi, c'est ce que je proposais. Ouais. Ah non, 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 non. Vous semblez déjà vous intéresser aux membres du groupe. Ah bon? Ouais. C'est vous qui avez dirigé les autres pour faire les lettres et tout ça. Ouais, mais c'est parce que vous êtes pas foutu d'écrire une lettre correcte aussi, hein. Oui, voilà, donc... Non, mais même sans parler de ça, c'est vous qui avez déjà... Qui avez déjà pris les devants pour tout simplement pour réconforter Monsieur Wood. Ou qui avait déjà pris la défense de Silver. Elle vous regarde blasé. Non mais il y avait pas à me coltiner vous en étant chef. Hein. Non non non. Ah et c'est aussi vous qui avez lancé l'idée. Non mais moi je suis là pour vous guider, pas pour être votre chef. Hein. Un chef. Ouais, c'est ce que vous avez dit aussi, un chef c'est pas forcément là pour donner des ordres, mais c'est quelqu'un là qui est là pour trancher. Mmh. C'est vous qui avez l'air de connaître plus le monde que moi, hein. Moi je connais rien du... Mon perso, il shrug, il fait ouais, « je suis désolé, moi je connais rien du monde, donc je me propose même pas. » Ouais, bah de toute façon, il t'aurait pas proposé non plus, hein. Je leur dis, merci. De rien. J'ai à peine voyagé et je voudrais que, mis à part mes bouquins et ma magie,
J'en connais pas trop non plus. Mais vous croyez qu'il connaît quelque chose, moi ? Personne n'a l'air de savoir grand-chose sur le monde, donc... Ah, sinon, on verra bien au fur et à mesure. Pour l'instant, vu qu'on est que 4, c'est pas non plus... Enfin, je sais pas. C'est... Pour voter, ça va, on n'est pas 15, c'est pas compliqué. Ouais, mais s'il y a une égalité, tout fait comment ? Joue à pierre, feuille, ciseaux, voilà. On a des sabots. On a des sabots. Et j'ai inventé le pierre, feuille, ciseaux version poney, ok ? Ben on l'a fait en plus. Oui, on l'a fait. On l'avait fait avec Golden. Paume vers le haut, paume vers le bas, et plus. Et sur le côté. Et sur le côté, oui. C'est ça. Ouais, mais on verra. C'est la délit des dos. On verra plus tard, à la limite. D'accord. Bon, et qu'est-ce qu'on fait ? Ben là, si tout le monde a tout ce qu'il leur faut, parce que tant qu'on est au marché, on peut toujours acheter quelques trucs qui pourraient nous servir durant ce voyage. Je propose qu'on y aille sans plus tarder. Très bien. Chacun a tout ce qu'il faut ? Je crois bien. Ouais, j'ai pas besoin de plus. J'ai tout ce qu'il faut pour moi. Moi, je vais au moins. Je vais faire quelques petites emplettes supplémentaires parce que j'ai l'impression qu'il me manque quelques trucs. Quel genre d'emplettes ? Genre juste acheter matériel de tente, une tente, un truc de couchage et s'il y a possibilité, un livre sur. Ah, vous avez pas fourni ça, Amber, déjà les tentes et tout le bordel. J'avais pas noté ça dans mon inventaire. Un livre, ce que j'irais chercher, ce serait si c'est possible à l'achat, si c'est disponible à l'achat, un livre sur la survie. Ouais, ça peut se trouver. Je te permettrai pas d'en faire des aides sur des jets ou quoi que ce soit. Faut que j'y réfléchisse. Ah, pour faire simple, Et il faut pas qu'on achète de la nourriture par hasard ? Aussi. Pour le voyage ? Oui, mais ça je vous demande pas de jet pour le jet de richesse ou quoi que ce soit. Vous pourriez trouver. Sinon, est-ce qu'on peut juste parcourir le marché pour voir un petit peu ce qui se vend, si on peut dénicher un truc intéressant ou... Ouais, juste flâner, quoi. Ouais. Je cherche un souvenir pour les petits-enfants. Mais... Là, vous trouverez un petit peu tout ce qu'on peut trouver sur un marché classique, un peu de bouffe, des trucs plus ou moins exotiques, enfin, plus le vendeur de fruits, le vendeur de légumes, quelques vendeurs de bijoux de tout type, charlatans, disons, mais pas non plus des escrocs qui vendraient des trucs. T'as vu le tapis, ouais. Qui te le vendrait à des prix exorbitants, mais c'est joli, etc. Et en plus, c'est du faux. Mais voilà, il y aura un petit peu de tout. Et globalement, on a besoin de quoi pour le voyage ? Parce que bon. À part la bouffe. De l'huile pour nos lampes, non ? Oui, ça, oui. Ouais. Mais on en trouve où de ça ? Oui, vous trouverez. D'accord. Je te demande, on en trouve où ? Oui, vous trouverez. Ah, j'avais pas entendu on en trouve où. J'avais compris, on en trouvera de ça. Non, on en trouve où ? Au marché aussi ? Enfin, oui, au marché, oui. Okay. Ah, il y a un petit malin qui a acheté mon huile pour vos lampes. Ah, il y en a qui surfent sur la vague. Bah oui. Heureusement que c'est pas la pluie éternelle, il y aura des vendeurs de parapluies. Mm-hmm. Mon perso, il va parcourir les étals pour voir les bijoux, les mecs qui vendent des armes, ce genre de choses, quoi. Ce genre d'artisans pour les armes, il n'y en aura pas vraiment dans le marché, mais il y aura quand même que tu pourras trouver un forgeron. Pas de la coutellerie, des trucs comme ça, par hasard ? Des fois, sur les marchés, il y en a. La coutellerie ? Oui. Les couteaux. Les petits couteaux. Ah, bon, ça, oui. Et couteau, style couteau pliant. Oui, oui, oui. Pour le travail, des trucs comme ça, tu vois. Corse dans Astérix. Ouais, ouais, ouais.
Du ça coup, se trouvera, bah, ça se... Le perso, il va parcourir le marché en regardant, du coup. Est-ce qu'il y a des teintures? Ça, c'est moins sûr. Non. Yeah. Bon, bah, je te prépare mon nouveau token. Hein. Ça va, je t'ai dit que ça durait plusieurs semaines. Oui, mais bon. En tout cas, une fois que j'ai terminé mes emplettes, donc j'ai acheté nourriture, huile... quelques bouquins sur la survie, sur... qu'est-ce que je pourrais avoir besoin aussi? De toute façon, on aura tous acheté de l'huile pour nos lampes, je pense. Et on décoration. Ouais, et on écrit quand la lettre pour Amber? Je sais pas. Enfin, j'imagine que vu que nos emplettes elles se feront assez rapidement, on se posera une petite heure pour écrire. D'ailleurs, oui. on pourra acheter du parchemin et des trucs comme ça. J'ai déjà. T'as j'ai déjà. Déjà j'en avais racheté. Ok. Bah, si t'es ok, oui, je vais en acheter aussi. Ok. Parce que bon, on va pas tout piquer chez... Oui. Fizzle. D'encre, des plumes. Mon perso écrit pas, donc bon, pour l'instant... Je vais le noter. Des armures. Excusez-moi. Poussez-moi, excusez-vous. Excusez-moi. Oh, ça va, oui. Du coup, mon perso va demander des précisions sur qui a fait leur armure. Est-ce qu'ils savent comment elle a été fabriquée? En s'excusant de déranger, mais que voilà, ils forgeront et que. Elle va me faire un petit jet de persuasion. Il a été très poli, je précise. Oui, mais. En demandant. Oui, il passe pour un pigeon. Un pigeon. Persuasion. Alors. Il va te regarder un peu de haut en bas et... navré, mais on n'est pas payé pour parler durant le service. Je vous prie de m'excuser, désolé. Bonne ronde. Bon, il a parlé. Il te fera un hochement de tête. Bon. Et du coup, moi, je ferai un hochement de tête en m'écartant aussi également pas penaud, c'est juste voilà, il peut pas répondre parce qu'il est en service, bah c'est normal. Ta collègue qui l'a regardé un petit peu, mais qui dira trop rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vend une brosse? Oui, ça y en aura. Bah, j'achète une brosse. Moi je cherche des petits souvenirs pour les petits enfants. Quel genre de souvenir? N'importe quoi. Une boule à neige. Des enfants. Non mais des trucs que les gosses pourraient pas se faire mal avec non plus. Tu sais, tu vas pas leur envoyer un couteau. Une comme, épée. À la limite une épée en bois. Mais... Tu sais, une peluche, j'en sais rien. Un truc du coup, qui a l'air d'être du coin. Ouais, tu pourrais trouver quelque chose. J'ai pas d'idée tout de suite, mais. Ok. Un attrape-rêve. Ouais, par exemple. Ah oui. C'est dans le ton, il y a un mec, il a vu « Oh putain, la nuit éternelle, c'était mon temps !» En plus, il y a un sergent de la garde de la nuit qui m'en a commandé un, oh là là. Voilà. Oh là là. Et du coup, ça coûte... Je dois il faire m'a demandé d'en faire un avec ses propres plumes, quel con. Je fais jet de richesse ou pas?
Non, pas pour ça. Ok. Je vais écrire. Combien ils étaient encore? Ces trois petits enfants, c'est ça? Je crois qu'ils étaient trois. 15 ouais. Pardon. Sachant au fait que l'argent que la madre m'avait donné, je l'ai mis de côté vu que c'est. Je l'ai séparé de mon argent, moi. Ok. Attends, répète. L'argent que Flora m'avait donné. C'était le prix qu'elle m'avait donné. Non, tu le laisses dans ton argent à toi. Oui, mais. Je sais que en RP, tu l'auras effectivement séparé, mais. Cela dit, si tu voudras l'utiliser, ça te donnera un plus 1 ou une valeur de dés supplémentaire, faudra voir. Ok. Selon le moment. Donc, du coup, une fois que tout le monde a fait ses emplettes, tout le monde a terminé, on se pose à nouveau à la taverne, du coup. Bah pourquoi pas, ils étaient sympas. Ouais. Pour écrire la lettre pour Amber. Ah, j'avais pas prévu un retour à la taverne, au secours. Ou sinon, s'il y a des tables à côté de la... Mais non, il faut un endroit posé. Non, mais faut... Non, j'allais dire un endroit genre à côté de l'office de poste. Comme ça, on peut écrire la lettre, la poster et basta, mais... Juste avant, est-ce qu'il y aurait pas quelque chose qui pourrait indiquer l'heure par hasard? Ouais. Bah, il y avait bien des cadrans solaires, mais c'est un peu biaisé maintenant. Sinon, c'est... Non, il n'y a pas de montre. Merde. Et sinon, il faut se référer à la hauteur de l'astre. Il a l'air de respecter le mouvement du soleil, donc en soi, c'est pas trop un problème. Mais du coup, et quand c'est la nuit, il n'y a plus rien, en gros. Voilà. Ça, il a l'air d'être quelle heure? Même pas midi encore. Attends, j'avais dit une fois un moment qu'il était au zénith. Entre 10 et 18 heures. Entre 10 et 18 heures, oh là là. Donc ouais, je dirais qu'il est genre 13h. Bah, c'est peut-être pas une bonne idée de partir maintenant, je sais pas. Bah si, on peut commencer maintenant et comme ça, ça nous fait déjà gagner un peu de temps. Ok. Ça nous prendrait, allez, une heure et demie si on y passe vraiment du temps à écrire la lettre. Alors, pour écrire la lettre, l'envoyer, et ensuite on peut déjà partir. Parce que sinon, on va rester là pendant toute une après-midi à attendre, à faire quoi, enfin. Et ça passe si... Bah après, vous gérez, mais ouais, voilà, je propose qu'on parte après avoir posté la lettre. Ouais, je suis d'accord également. Très bien. Ça, c'est la façon la plus efficace que... Ouais. C'est la façon la plus efficace. Comme du coup, vous allez aller rédiger à la taverne ou pas? Ouais. Ok. Mm-hmm. Je vais même vous mettre sur... Et donc de la loose. Si, il redemandera encore. Et de la loose, du coup, c'est comme ça. Comment ça s'écrit déjà? Deux L-E-S. Oh là là. Non, je déconne, il aura retenu. Il est pas gâteux, papy, il est gâteau. Voilà, je vous ai mis sur la map normalement. Oui, il y a toujours monsieur avec son yinche. Oui, toujours. Non, non, non. J'allais dire, je lui fais coucou, mais il est aveugle. Bah, il entend les vibrations dans l'air. Daredevil. C'est ça, Daredevil. Daredevil. Je lui remettrai quelques pièces. Pareil. Putain, mais plus vous allez passer, plus vous allez lui donner des pièces à chaque fois que vous allez passer. Bah, faut bien qu'il vive, ce pauvre monsieur. Oui, à chaque fois, quand même. Ça se trouve, il fait semblant. Je lui donne qu'une autre pièce, parce que bon, on lui a tous donné des pièces. Je veux bien être gentil, mais... Radin ! On va pas lui donner 40 pièces à la fois. Il hochera la tête de remerciement, il dira un merci. Et le chien qui aurait remué la queue en vous voyant passer. Oh bah je le patte-patte, moi. Ah oui, moi aussi. Même si je préfère l'échappe. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne, la petite auto. Oh, oui, oui, oui. Ah, tiens, on dirait une descendante d'une certaine... d'un certain PNJ.
Je vois pas de quoi vous parlez. C'est qui cette pute? Je vois même pas qui. Je vois même pas. De la. Je n'en peux plus. De Ruby. Non, non, non. Mis à part, c'est moi qui me fais des. Non, là, il y a du monde. Elle a pas eu de gosse, Ruby. Il y a du monde. Bon, on peut se caler dans un coin. Voilà, regardez cette table. Ouais, c'est marrant de dire Shining. La musique. Non, c'est pas lui. Oh, je l'ai, elle. Voilà, elle le dire. Voilà, ça s'est dit. Voilà. C'était bien. Super intéressant. Du coup, on s'assoit où? Bah, alors, là-bas. J'avais proposé là. Mmh. Wait qui vous fera un grand salut du sabot. Ah, vous revoilà déjà. Ouais, ça nous manquait ici. Ah bah, ça m'étonne pas. Je pense qu'on va vivre là maintenant, vous êtes d'accord? Tire la chaise. Bah si, tant que vous payez. Hop, je te tire la chaise, je t'en prie. Ah bah, gracias, je sais tirer ma chaise quand même. Ouais, la galanterie. Ouais. J'ai beau être paysan, là. La ponette qui est sur le... Sur le là. Ouais, l'estrade. Ouais. L'estrade, merci. Elle jouera du luth. T'as aussi tiré sa chaise à... Ouais, c'est ce que j'ai dit. D'accord, j'avais pas entendu. Merci. Mais c'est juste qu'on a parlé en même temps. Merci. Quel yam te am. On aurait plutôt dit quel homme bien élevé. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut, messieurs, dames? Vous avez des jus de citron? Oui, on a ça, oui. Bah, il y en veut bien, s'il vous plaît. On a une botte de baseball aussi pour calmer les ornis. Je vois pas de quoi vous parlez. Mon perso, il va redemander la même chose que ce qu'il a pris la veille. Du cidre du... Ah, je sais plus ce que c'est, votre spécialité. Ça marche. Du cidre sperme, pardon. Du cidre sanglant, je crois, je sais. Génial. Du cidre sanguin. Sanguin, sanglant. Voilà. Ça a rien loupé, quoi, stop. Et pour vous, messieurs, dames? Pardon. De l'eau. Désolé, juste de l'eau. Je vais partir sur un jus de fruits, je vous laisse. Je suis désolée. Donc elle prend note du coup de toutes vos commandes et elle ira commander. Mais non. Bon. La PLS. Du coup, je commence à sortir un peu de papier. Un peu de papier de quoi écrire. Alors. Juste, elle aura donné les boissons, puis pour la bouffe, elle arrivera après. Quant à l'écriture de cette lettre. Oui. On fait à Amber un topo de la situation. Qu'est-ce qu'on a? On lui dit qu'on a bien réussi. Ouais, on lui dit qu'on est arrivé, qu'on a escorté la dame dont j'ai oublié le nom. Qu'on a pris une autre mission et puis voilà. Et les infos qu'on a pu récolter sur les princesses. Aussi, c'est vrai que c'est quelque chose d'important à lui donner. Ouais. On sait pas combien de temps les informations mettront à traverser jusqu'à Stalingrad. On pourra lui demander aussi si effectivement ils viennent depuis super longtemps. En théorie. S'ils les ont rencontrés, les gens sur le tableau. En théorie, les informations mettraient 2 jours à arriver. Mettront 2 jours à arriver. S'ils sont très rapides. Mais oui, en théorie, ce sera. Dans 2 jours, ils auront les informations. Très bien, qui écrit? Je peux le faire. Ah bah vas-y. Bah du coup j'écris. J'écris la lettre, Ren, je... Okay. J'explique bah, tout ce qu'on vient de dire, basiquement. Ça marche. À la fin de la rédaction de votre lettre, la commande de la bouffe de ceux qui en ont commandé arrivera. Mais okay. On vient de manger. Non, vous avez mangé le matin, pas à midi. Ah oui, on est midi là. Oui. Ouais. Ah bah alors j'aurais commandé aussi un... Pardon, j'avais pas... Oui, j'étais restée sur le... On est... Il est 9h, donc...
Idem. Bah, du coup, ouais, j'aurais commandé aussi un plat un peu léger, mais j'aurais commandé aussi. Demander à manger, voilà, c'est tout. Ouais. Ok, on va se calmer. Le plat du jour, s'il vous plaît. Voilà, techniquement, il faut juste savoir que vous mangez, c'est tout. Bon, bah, on mange alors. Voilà. Oh. C'est quoi? C'est du lapin. Ah! Ah! Oh non! Lapinou. Lapinou! Donc en soi, vous mangerez tranquillement, la lettre sera rédigée. Les clients viendront. Allez, viendront, voilà. Vont aller et venir, sinon. Vont aller et venir, ça marche aussi. Je voulais changer un petit peu, arracher le droit. Ah, ah, ah. Et une fois que vous avez bien mangé, bien bu et que vous ayez la peau du ventre bien tendue, la lettre rédigée, tout le bazar, quoi faites-vous? Bah, on va y aller. En êtes-vous sûr? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Non, rien. Non, moi je voulais demander un truc avant au mec. J'aurais été demandé. Dites-moi. Oui. Les artistes là-bas, vous les payez ou c'est eux qui payent pour faire ici? Disons qu'en fait, c'est une scène libre. Donc ils viennent s'ils veulent se produire et puis c'est tout. Avez-vous entendu parler de la sainte parole de... Ah oui, c'est ça qu'on devait faire. On devait aller voir celui qui rédige le truc que fait que crie le crieur là. Voilà le crieur. On devait aller là-bas en postant les lettres. Allô? Oui, oui. C'est vrai. De quoi il peut y aller? Bien, après, c'est si vous savez jouer d'un instrument ou chanter, oui. Oui, il y a c'est chanter. Du pipeau. Bien, vous pourrez y aller après qu'elle ait terminé de se produire. Elle devrait plus tarder maintenant. Très bien. J'ai détourné. Je sens qu'il va regretter. En tant que joueur, j'ai détourné l'attention de 2 secondes. Il y a Skoula qui veut se produire. Ah, vous allez pas être déçus. J'ai rien prévu. Hein. Mais du coup, elle a l'air de réfléchir, puis elle dit « Je vais travailler à ça et je reviendrai. » Je reviendrai. Très bien. I'll be back. Avec un accent latino. Non, mais je reviendrai et je chanterai vraiment parce que vous adorez ça. On rappelle un autre perso. Ouais, sauf qu'elle sait chanter normalement. Elle va chanter, tu vas prendre, mais à la perfection. Non. Ah, Sophie, stop it! Bizarrement, cette chanson n'a jamais été retenue dans l'histoire. Sauf par certains élus. Bref, et si on y allait? Bah, une fois qu'on a terminé d'écrire la lettre, bon, ça c'est parti. Moi, je sirote ma boisson et je sirotais ma boisson, du coup, je la finis d'un seul coup. Juste le temps qu'ils vont mettre la lettre à la poste là, moi je vais aller voir le gars qui fait la rédaction de ce que dit le crieur là. Parce que c'est okay. Ce qu'il avait dit, le crieur, qu'il fallait aller voir avec sa mère ou je sais plus qui. Oui. Hop là. Alors attends que je regarde dans les PNJ, parce qu'il me semble que je m'étais trompé sur quelque chose. Ah bah bravo. En tout cas, il est très sympa cette musique. Détente. Ah.
Donc ouais, il avait dit d'aller voir Fashion Storm, donc qui est sa mère. Mais ceux qui dirigent vraiment tout ça, c'est... Donc il aurait dit c'est Sandstorm. Comment ? Bergoudé. Sandstorm. 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 Sand, d'accord. Et il est où ? Où elle est où ? Il est au même endroit. Dis-moi qu'il a un frère qui s'appelle Darudé. Non. Où ça, Darudé, au même Sandstorm. Endroit, parce que t'es gentil, mais... Bah, à la poste. Mais elle est où, la poste ? Là où vous avez posté la lettre la dernière fois. D'accord. Par ici. Non. Au moins, c'est pratique d'être avec Silver parce qu'on le voit de loin. Bon, au moins, j'ai pas l'intérieur du bâtiment, mais je vais vous mettre comme si c'était devant. Je tomberai sur elle à l'accueil. Redésolé, j'ai eu un lag. C'est comme dessus, ponk. Aïe. Du coup, j'ai pas entendu qu'est-ce qui s'était dit, désolé. On va à l'accueil. Parti à la poste. Ok. Ça y est, c'est le RP, on va faire 5 heures de fil pour que le guichet se ferme devant nous. Il y a des bureaux, donc... Mais on n'a pas rendez-vous, donc c'est d'éternité. Vous avez rendez-vous ? Non, mais vous avez rendez-vous. Attendez, bougez pas. Hop. Voilà. On simule le bureau, genre là, il y a le pupitre. Vous êtes voilà. Qui pour elle ? Pardon. Elle sera un petit peu la tête dans ses paperasses. Dans chaque client, il y aura une queue, etc. Puis, à un moment, viendra votre tour. Madame, bonjour. Hola. Je voulais savoir qui ont payé pour passer les annonces aux crieurs. Vous voulez passer une annonce ? Oui. Alors, il va falloir rédiger une lettre qui concerne les informations. Ensuite, elles seront étudiées par nos enquêteurs et possiblement ensuite divulguées dans la ville. Mm-hmm. D'accord. Et on la met où, la lettre ? Ah, bah dans la petite boîte qu'elle te montrera à côté de là, à côté d'elle. Très bien. Elle va la regarder intensément et va faire « Je reviendrai !» I'll be back. Merci, mais bonne journée. I'll be back. Comme ça. I'll be back. Franchement, quand vous dites « I'll be back », je pense juste au mec qui chante « I play Pokémon ». Je vois la référence, mais je n'ai pas... Bah en fait, c'est juste qu'au début, avant de chanter, il fait « I'm back » et après « I play Pokémon Go every day ». C'est de la merde. Yes. Pardon. Pardon, je floude. Ok. Bon, bah, on peut y aller, alors. Allons-y. On a posté la lettre. J'aurais posté la lettre pendant que t'aurais fait ça. Ok. Donc, vous aurez pris quand même un peu de temps. Il sera dans les environs de le soleil bien en haut, mais pas tout à fait encore un petit peu axé de 10 degrés sur le côté. Mmh. Mmh. Et vous dirigez, ce me semble, oui. On se dirige sur le chemin de Huffington. Mais vu que j'ai eu un petit bug pendant un court instant, pourquoi tu voulais aller... est-ce que tu as expliqué pourquoi tu voulais aller voir la dame qui payait l'écrire public ? Non, mais vous l'avez pas demandé. D'accord. Non. Par contre, je vois pas toute la carte. Des zooms ? J'ai rien dit. Je suis dans la mauvaise direction. Yes. La marque repère. Du coup, allons-y. Du coup, je me demande pourquoi tu veux demander pour payer un crieur public d'ailleurs. Pourquoi vous voulez payer un crieur public ? Il y a un message. Je crois que j'ai compris. Oui. Il y avait parlé de la luz de la muerte. Mmh. Il faut que le plus de gens possible soient au courant, mais il peut pas être partout. C'est pas faux. Ça semble logique. Je vais prendre le temps de rédiger tout ça. Ok.
faut vous diriger. Vous dirigerez donc tranquillement vers Huffington. Ouais. Après avoir descendu les quelques montagnes de Canterlot et être éloigné depuis plusieurs kilomètres, vous pouvez remarquer que les nuages se forment et que la pluie commence à tomber. Ah, chier. Ah, chier. C'est comme dans Minecraft, yes. Va y avoir des mobs. On va être mouillé. Ma tenture! Ça va, c'est waterproof. Donc ouais, et plus ça va, plus il pleut vraiment fort. Aïe. Je tape un peu plus par-dessus mon marteau et mon fauchon pour éviter que ça prenne trop l'eau. Ça va, la pluie n'a jamais tué personne pour l'instant. Ouais, mais ça va rouiller mon épée. Ça va pas rouiller en aussi peu de temps, voyons. Pas bouger juste pour ça. Va falloir que je la rehuile. Oui, mais du coup, tu vas pouvoir encore plus t'améliorer parce que tu recommences à pouvoir le faire plusieurs fois, quelque chose dont tu as l'habitude, jusqu'à ce que tu le fasses tellement rapidement que ce ne soit plus un inconvénient. Oui, oui. Vois le bon côté des choses. Oui. Mais en soi, après plusieurs heures, la pluie se calmera et... Mais j'allais dire la nuit tombera, mais elle est déjà tombée depuis un bail. Mais elle tombe complètement, on voit juste l'envers du décor et le fond vert. Voilà, c'est ça. Oh non ! Elle tombera totalement, ne laissant que l'obscurité totale vous entourer. C'est bon, on a des loupiottes. C'est vrai, vous avez des loupiottes, donc elle est pas si totale que ça. Du coup, on s'éblouit nous-mêmes et on ne voit plus rien et c'est la flippe. Je vous passe la nuit qui sera relativement calme. Durant le début de la nuit, j'aurais pris le temps de lire mon bouquin, mon manuel de survie. D'ailleurs, au passage, rajoute des trucs, enfin un truc dans le bouquin de Monsieur le Vieux. Que d'ailleurs, du coup, vu que je lis mon manuel de survie, parce que du coup, Ren. Juste pour rappel, je fais ça parce que j'ai touché à tout. Ah, t'as touché à tout. C'est... J'ai acheté un manuel de survie parce que j'ai touché à tout. Ok. Donc je fais mon G. D4 en survie. Tu auras un D4 en survie. Eh bien, bien joué. Moi, vu que j'ai quand même encore les pointes de flèche des carreaux de Woodcutter, je vais essayer de trouver des branches les plus droites possibles pour pouvoir refaire les carreaux. Tu voudras faire des carreaux après ? Tant qu'on a arrêté, oui. Prendre le temps d'essayer de trouver des branches qui sont très droites. Il va falloir quand même un bon atelier pour faire des bons carreaux quand même. Bah écoute, si tu veux, je peux en faire de fortune. Au cas où. En attendant. Pareil que toi, t'as un atout pour ça, toi. Du bricoleur. Débrouillard, pardon. Quoi qu'il en soit, je t'ai rajouté une ligne dans ton journal. Je veux pas le lire. Je regrette tout. Je veux plus. Tu te venges parce qu'en le faisant, t'as pleuré. Ah oui, il a pleuré. Oui, il est venu me voir quand je dormais. T'es trop triste. Je dis, ça va, mec. Personne t'y obligeait, monstre. Et génial. Parce que j'ai dû recharger la page parce que j'ai eu un problème internet. Je n'ai plus la musique.
Bah, pendant ce temps-là, je vais faire la cuisine, moi. Voilà. Ouais, du coup, moi, mon perso demandera, après avoir lu le machin là, pour rester dans... dans l'esprit d'avoir lu ça récemment, il demandera au groupe si ça leur dit quelque chose, s'ils ont déjà été ou quelqu'un près d'eux qui aurait été à marcher. Non, moi je suis toujours... En tout cas, mon père, il a toujours vécu à Graveltown et moi je suis jamais sortie de la ville. Après, je sais pas pour mon grand-père. Non. Non. Est-ce qu'on pourrait le lire? Le journal? Oui. Je pense pas me sentir suffisamment à l'aise pour vous laisser le lire tout là maintenant, mais qui sait, peut-être un jour. D'accord, y attendrai. Quand il l'aura terminé. Ou quand je mourrai. Hein. Mais ça suffit. Stop it. Ok, donc la nuit se passera. On pourrait entamer le deuxième jour. Ouais, vous avez acheté des vivres, hein? Oui. Ah, non. Que d'ailleurs, Ren, mon frère, vient de me parler d'un truc, d'un système pour les rations qui devrait te plaire. Pour. On en parlera plus tard? Ouais. Je vais vous mettre sur une autre map. Vous pouvez poser vos tokens en bas à gauche. En gauche. Ok. À gauche, attends, les zoomer. Je vois rien. Ah oui, c'est vrai. Je vois mon token est du noir. Alors, deux secondes. Ah, mais j'ai pas mis la lanterne, c'est pour ça. Voilà, c'est bon. Ouh, voilà. Attends, lumière atténuée. Je suis dans l'arbre. Voilà, vous voyez quand même un peu, c'est juste que... Ouais. Ah, ouf. Ben, on voit c'est tout, là. C'est mon petit fizzle quand il rate la lanterne. Oui, vous voyez tout, mais c'est léger, quoi. J'ai mis une lumière atténuée, vous voyez pas non plus de ouf malade. Bah si, on voit toute la map, hein. Oui, vous voyez toute la map, mais je dis pas très fort. Oh. D'accord. Écoute pas, hein. Qu'est-ce que t'as dit, Golden, par rapport à Fizzle? Pardon. Tellement petite, on dirait que la lanterne fait la moitié de sa tête. Sors. Trop lourd. Vous êtes médisant. Alors que moi, je peux la prendre, je pourrais... Toi, tu la tiens avec deux dents. Ouais, le truc, c'est que là, en fait, mon personnage, il a littéralement la bouche, il est devant la lanterne. Je peux pas le mettre par-dessus. Parce que, mais d'abord ton perso, puis la lanterne. Bah, c'est ce que j'ai fait. C'est pas grave, je m'en fous, ça marche bien comme ça. Il est tellement gros, il est par-dessus la lanterne. Je te permets pas. Il est pas gros. Il est grand. Il est massif. Il est pas gros, beau. Il est juste un peu enveloppé. Non, mais il est très... Alors, vu comme il fait de la forge, ça m'étonnerait. Mais par contre, je pense qu'il va devoir se mettre à la muscu pour juste pas s'empâter. Donc, nous sommes dans cette forêt. Deux secondes. Ah. Il arrive. Calmez-vous. Bon, moi, je vais fermer cette porte. Oh putain. Pourquoi tu rigoles comme ça? Il est parfait, Miss. Oh, rien. C'est Miss qui fait des smileys. C'est magnifique. Ah oui. What the fuck? Eh ben, ça va mieux, Miss. Putain, c'est vrai que j'avais pas bien vu le deuxième smiley, mais il est fantastique. Je vais vous demander, du coup, s'il vous plaît, à tous... Un jeu de perception. Ah, on adore ça. Ah oui. La perception. Ta 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 ta. Est-ce qu'on va entendre les... Oh yes. Le fumble. Wouh. Dalz aussi a fait un fumble il y a deux ans. Non, moi j'ai fait l'inverse. Ah mon dieu, il a fait l'inverse. Ça sent le décès. Ça va, il est juste à côté de Silver.
isole le vieux Tereluk. Je vais juste vous bougez pas, s'il vous plaît, bougez pas. On bouge pas. Hop. Je vais juste vous déplacer ici. Mettez-vous bien sur la route. Attends. Mai. Donc, du coup, on va commencer par Skull. Skulla. Tu auras remarqué dans la pénombre de la nuit quelques petites lueurs rouges. Un peu plus loin, genre dans cette direction. Attends. Plusieurs paires de. Quelle direction? Ah merde, pardon. Hop. Dans cette direction-là, à peu près. Ouais. Plusieurs petites paires de lueurs rouges qui brillent faiblement dans la nuit. Ouais. Golden et Gal, donc Woodcutter et Silverleaf, vous voyez ce même genre de lueur, mais qui en a aussi derrière vous, mais moins nombreuses derrière vous. Après mûre réflexion, vous voyez clairement qu'il s'agit d'ombres. Yes. Oh non. Moi je sens. Bon, attends deux secondes, laisse-moi terminer la description. Pardon. Avant de faire quoi que ce soit. Pour ce qui est des ombres derrière celle-ci, il y en a une qui a déjà commencé à caster un sort qui se met directement sur Fizzle. Et qui a subi 6 dégâts. Est-ce que je peux réagir vu que j'ai quand même. Va me faire un jet d'athlétisme dans ce cas-là. Yes. Les jets qui vont pas être bons. Parce que là, je me prends un sort dans ma face qui est censé me faire 6 dégâts, d'accord ? Mmh. Alors, athlétisme. Tac. Raté. Je vais relancer quand même. On va essayer une fois. Bon bah les gars, je vous ai aimé, je pense que c'est la fin de mon perso. Allez, salut. Mais non, tu fais terreur sur les ombres. Ah non, t'as pas compris. Oh, on va se marrer. En fait, ce coup-là, c'est refais la telle. Refais la telle. Oui, mais ah bah ça marche pas non plus. En fait, ce coup-là, c'est une ombre. Donc je me prends 6 dégâts. Ouais. Génial, je suis secoué. Et en outre, comme tu n'as pas vu la perception, tu n'agiras pas ce tour-là. Pliette. Oh, mais tout ce qu'il y a. Oh, mais en plus, c'est les. Oh là là, on va crever. Mais c'est sûr qu'en 100 ans, ça a eu le temps d'évoluer, ces merdes. Mais oui, oui. Juste en mettre un dans le coin, mais il servira juste de. Parce que là, il y a les licornes, il y a les pégases et je crois qu'il y a les poneys, non, je crois que je sais plus ce qu'il y a. J'ai juste changé le token des terrestres, mais effectivement, il y en a un de chaque race. Ouais, ouais. Bon, ça va, on n'a pas les pires. Que je vous fasse une description. Ceux-là, c'est les terrestres. Attends, non, c'est ceux-là les terrestres. Mm-hmm. Ceux-là, c'est les pégases et ceux-là, c'est les licornes. Ouais, ouais. Il y a deux licornes, bien sûr, de ce côté. Deux licornes de ce côté-là. Et... Yes. Woodcutter. Caché derrière le mastoc. Et sortir mon arbalète et le charger. Prenez-moi comme bouclier en plus. Tu cherches ton arbalète, c'est ça? Oui, parce que je peux pas charger et tirer dans le même tour. Si, c'est une double action. Ok, ben je vais essayer de faire ça sur. C'est en mode. Techniquement, même une arbalète lourde qui demande deux actions de recharge, en fait, tu peux le faire dans le même tour, mais le tir est à moins 4. Et 17. L'arbalète, c'est 20, 40, 80. Tir. Quoique, on s'était déjà mis, il me semble. Par rapport. Oui. Moins 2. Bon, je vais faire là une relance. Juste une Pourquoi fois. Moins 2 à cause de double action. Ah. Oups.
triste. Pas la 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 la. Dans le bon gel. Silver. Ah bah moi direct premier truc c'est je commence à partir dans cette direction dans la direction là de ceux qui ont tiré vers Fizzle. Ok. Alors attends, mon allure c'est combien déjà? Vu la distance, il va falloir que tu essayes une course. Ça valait bien la peine de filmer les séances, ou pis si on meurt direct que tu filmes. Et avant que tu fasses quoi que ce soit, faut que tu me décrives toutes tes actions. N'oublions pas. Et ça c'est mieux. Alors qu'est-ce que je peux faire? Parce que course c'est combien déjà? C'est la course, c'est ton dé d'allure, mais tu le feras une fois que tu... Enfin, tu commenceras à faire ta première action quand tu m'auras décrit toutes les autres. Tout ce que tu veux faire. Je voudrais essayer d'arriver au corps à corps de la plus proche, quoi. Dans celle-là. Attends, pars déjà de ton pion. 15. Oh, c'est celle-là, hein. Ouais, essayer d'aller à celle-ci, là. Et dégainer l'épée pour être au moins pris au combat, quoi. Tu peux aussi tenter de l'attaquer. La dégaine est une action gratuite. Bah, du coup, j'attaquerai. Ça fera pas double action, en tout? Ça sera pas une double action, mais il y aura moins 2 comme tu auras couru. Ok. Si tu l'atteins. Bah, écoute, je vais tenter. Fais ton jet d'allure. Jet d'allure. Allez. Hey Silver, 12 cases. 24 mètres. Je peux te mettre sans problème à son cac et attaquer avec moi. Je dégaine et j'attaque avec moins 2. Précision pour la dégaine, vous pouvez dégainer 2 armes, enfin dégainer, rengainer 2 armes gratuitement. Si vous voulez en faire plus, ça sera des actions. Ah, je vous ai perdu, faut que je fasse un F5. Ah oui, ça a tout bugué là. Oh merde. Yes, il faudra relancer la musique pour moi, génial, comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme d'habitude. On va tous crever. Ah, ça bug. Ah, c'est bon. Non, c'est bon, il n'y a pas besoin de relancer la musique en fait pour moi. Au final, j'aurais mis plus de temps à dessiner ma perso qu'à la jouer. Il dit c'est bon, mais il sait. Voilà. Mon perso est là. Il a dégainé son cochon. Son cochon ? J'ai compris. Son cochon ! J'ai compris son cochon. T'imagines des choses, t'imagines des choses, Golden. Cochon. Allez. J'attaque. On se détend avant notre mort. Hé ! What ? T'as fait 2-2. Je vais essayer de reroll. Ça sert à quoi d'avoir un combat à D8 Tac, alors... Des fois, j'ai l'impression que je fais des meilleurs jets avec un D6 qu'avec un D8. J'en sais rien. Moi, par contre, ça a rebugué. Hein. Je suis obligé de refaire F5. Pas ce qui se passe. Roll 20 qui fait de la merde. Possible. Putain, il y a des chiens dehors. Qu'est-ce que ça fait dehors à cette heure-là? Sente. Couvre-feu. Il est pas fini le couvre-feu? Bah non. Je sais pas moi. 23h maintenant? Ouais. Non, mais c'est plus un coup de feu là. Allez, du coup, j'ai lancé mon deuxième béni. C'est juste aller dormir à une heure raisonnable, les gens. C'est ça.
Ah, c'est mieux. Ah, quand même. Ah, ça touche. Ah. Ah, les dégâts. Roll dadada damage. Zbaf. D'un tranchant, du tranchant de ton épée, tu donneras un coup sec et vif qui le découpera en deux et finira par se liquéfier sur le sol, laissant une mare noire sur le sol. J'espère que ça part, ça partira de la lame. Ça partira, ça part au lavage, j'espère. Non, en plus, j'espère que ça partira de la lame parce que ça a l'air de pas être propre, ça. L'ombre à côté, il y a un arbre entre les deux qui avancera légèrement et qui verra qu'il n'y a plus son camarade et se retournera vers toi. En mode... Ma fiancée! Pour l'instant, je fais leur placement. Oh non. Oh non. Oh non. C'est vrai que c'est plutôt lent cette merde. Oh non, 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 non. Peut-être pas plus mal. Silver, il va arriver, il va faire tchac 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 sur chacun des trucs. Le bûcheron. Ouf. Le Pégase qui a un poil plus rapide. Alors, donc je vais commencer par les licornes qui vont faire leur petit sort. Un sur Silver, un sur Skoula. Très bien. Raté pour Skoula. Très bien. Ah, ah. Touché pour Silver. Oh oh oh, blessure. 8. 8, du coup, je suis à. 6 de résistance, pardon. Tu es seulement 6. Seulement 6. D'accord. Je clique sur secouer. Et tu fais ton jet d'intellect. Ça déclenche. Jet d'intellect. Ça déclenche ? C'est censé le déclencher. Ok. Tu peux décider de le laisser se déclencher tout seul ou d'essayer de le résister. Ah bah les jets d'intellect, ça par contre ça marche, hein. Ça marche. Alors ça marche les jets bien. De combat. Skoul à mort. Alors. Ah dans l'autre sens. Non, pas du tout. Je pose ma lanterne à terre. Je m'avance. Je joins mes sabots. Ah non. Je ferme les yeux et je me mets à prier. Comme ça, ouais. Fin de mon tour. Nouveau tour. Skoula mort. C'est qu'une blague. Elle a toujours les pires cartes. Et la carte. Eh bien, écoute, je continue de prier. Vas-y, prie, je t'en prie. Vas-y, d'accord. Vas-y. L'os de la muerte, vous qui êtes parmi nous. Que la luz de la muerte me protège des ombres. Que la luz de la muerte me protège des ombres. Et je me berce un peu Enfin, je me berce, tu sais. Ça balance. Ce qui est assez drôle, c'est que juste avant que tu poses ta lanterne, il y a quand même eu un éclair d'une des ombres qui est passé à côté de toi. Oui, oui, mais tout va bien. Ça marche bien. Ça marche, tu vois. Eh, elles m'ont pas touché, ouais. Ça marche. Silver. La force est avec moi, je ne fais qu'un avec la force. C'est ça, c'est un peu ça en fait, hein, actuellement, au secours. J'attaque. On va lui trancher le cou à cette saloperie. Oh non. Oh non. Oh. Roll damage. Ouh, ça picote un peu, hein. Moment. Pareil, un bon gros coup de sable et sabre et... Oui, parce que je n'ai pas de sable dans mes fronts. Un coup de sablé. Oh, quelle scène. Il le frappe avec un biscuit. Oh, quelle scène. Moi j'aime bien l'idée du coup de tablé, s'il le frappe avec un biscuit. Woodcutter. Je me cache derrière Silver, Silver se barre. Ah. Je me cache derrière ce coup-là. Ben finalement oui. Désolé. Il va utiliser entre guillemets ce coup-là. En fait c'est pas vraiment se cacher mais il se met bien près d'elle au cas où il arrive un truc pour la pousser et qu'elle se prenne pas un coup. Vu qu'elle a l'air de rester catatonique et il va... Il m'a dit que je pouvais pas bricoler
une grenade, mais est-ce que je peux pas bricoler un machin qui... L'équivalent d'un cocktail Molotov ou je sais pas. C'est pas, pas pendant un combat, tu vois. Non mais bricoleur... Ouais mais pas pendant un combat. Ça prendrait trop de temps. Ça prend un tour complet. Ça prend un tour complet, c'est ce qui est marqué. À condition de disposer d'un peu de matériel et de quelques outils. Mais j'ai pas... Ouais, mais le cocktail Molotov, t'as pas ce qu'il faut. Mais ouais. Sinon, oui. Je prends ce que vous la voulez, prenez-la. Je vais juste charger mon arbalète et me préparer en fait, rester chargé et ne pas avoir de malus au prochain tour quoi. Ok. Fizel, tu es toujours secoué, ne l'oublions pas. Ouais, je me dessecoue. Et qu'est-ce qui se passe? Yut. D'abord, je souhaite me dessecouer. Cela marche. Ok. Question pour le jeu, j'ai besoin de faire un jet de perception pour voir les ondes. Non. Non. Là non. Ok. Après m'être mis de mon état, je vois qu'il y a trois ombres qui sont en train d'avancer de ce côté-là. Je vais légèrement m'avancer et tirer un éclair sur chacune des ombres. D'accord. Bon bah. Je peux faire ça, il me semble. On est d'accord. Oh. Bah oui, mais ce sera à moins 4 les 3G quoi. Ah mais non, c'est vrai que c'est 3G, putain, désolé. Pendant un instant, j'étais en mode de luxe. Ah bah non, on est plus sur de luxe, monsieur. Non, bah écoute, la licorne, enfin le... Laquelle des trois, c'est une licorne, putain, ça se voit quasiment pas. Je vois... Bah, aucune des trois, déjà. Ouais, bah... Le Pégase qui est en train de se rapprocher, je vais tirer dessus. Ok. Je m'approche un peu. Tac, attends. Avant rapproche-toi parce qu'il y a quand même quelques buissons qui te cachent légèrement la vue. Ouais, pour avoir des malus par rapport à ça. C'est un buisson. Mm-hmm. Si je peux me mettre. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, mais pour les distances, effectivement, je dis ça surtout pour les distances parce que c'est pas évident de voir. Tant qu'ils sont pas dans vos lumières, vous aurez moins un pour les viser. Ok. Mais on peut les charger. Oui, oui, ça y a pas de problème. Mais c'est pas évident de les voir, même au cas que si vous êtes pas dans leur, enfin si vous avez pas, si vous les avez pas dans la lumière, ça sera moins un pour les toucher. Ok. Ça va. Est-ce que si putain, si je me mets comme ça, j'ai pas de malus pour toucher. T'auras que le malus de la vision. De l'obscurité. Tout. Ok. Bah je fais ça. D'ailleurs que je regarde un petit peu l'obscurité parce que c'est pas moins un. Tac. Ah non, vas-y, dis-moi avant que je fasse manger. Rien, tout ça. J'ai jamais de screen, c'est vrai ça. Et je garde sur 2d6 dégâts. Non, c'est moins 2, pardon, la pénombre. Moins 2 pénombre, ok. Bah, du coup, un piou sur. Piou! Piou piou! Alors, ce n'est pas un. Ce n'est pas. Non, donc ce n'est pas un fumble, on n'est pas sur de luxe. Là, ça t'arrange de pas être sur de luxe. Ouais. Paf. Je lance les dégâts. Dégâts nuls. Est-ce que je reroll? C'est sur lui, tu. Ouais. C'est sur lui. C'est sur lui et je vais reroll. Reroll Jenkins. C'est un peu mieux. Il commencera après avoir reçu ton rayon. De quel aspect il est d'ailleurs ton rayon? Il sera de couleur, je pense, sur le moment bleu foncé. Ah, c'est vrai que toi tu changes de bleu foncé. Il sera bleu foncé pour le moment, je pense. Donc un missile magique de couleur bleu foncé viendra s'éclater contre lui. Il commence à battre doucement, à boiter en volant, disons, ouais. Jusqu'à progressivement s'approcher de toi, glisser, s'approcher du sol pour finalement de finir en flaque de bouillie noire à tes pieds. Quand il s'approche de moi, est-ce que je peux faire juste quelques pas en arrière? Non.
D'accord. Bon. Ça aurait été juste RP, mais bon. Pardon. Que la luz de la muerte te protège parce que c'est toi qu'elle vise. La luz de la muerte te protège. Tu vois? Tu vois? Un grand rayon passe à côté de toi et vient s'écraser contre l'arbre ici à côté de Silver. Je frémis. Mais la luz de la muerte me protège. C'est un nouveau tour. Non mais c'est une blague. Mais j'y pète. Est-ce que la luz de la muerte te... Putain. Quand le mythe devient vrai. Oh, par contre, Fizzle, coucou. Oh non. Coucou. Oh non. Oh non, 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 non. Attendez-moi, les copains, j'ai des petites jambes. Ça marcherait pas. Il y en avait un troisième, je l'avais pas vu. Ça marcherait pas, de toute façon, la terreur sur les ombres. Tu n'en sais rien. C'est vrai. Je sais pas. Ça pourrait marcher. Ah, tu sais pas. Ah, tu sais pas. Ah, tu connais pas. Donc, Fizzle, tu en as deux sur ta gueule. Tu as combien en parade? En parade, j'ai deux. Pas assez. Il y en a qu'un seul qui touche, parce que je rappelle que même si tu as deux, il faut quand même faire quatre sur le jet de combat. Il y en a qu'un seul qui va te toucher. Ouais. Et même pas en prouesse. Dix, bah ça fait une blessure, je vais claquer un point de... Je vais claquer un béni pour faire un jet de vigueur. Pour faire un jet d'encaissement. Vas-y. Ah, ça marche pas très bien. Tu peux tirer sur la table des blessures. Aïe. Ah. Mes jambes, j'ai plus mes jambes. Je perds un d'allure, c'est ça? C'est ça. Je crois que c'est un ou deux. Non mais je vais vraiment devoir. En gros, tu chopes le boiteux. Je vais vous porter, hein. Man. Ah, c'est pas boiteux, c'est lent. Lent. Si mineur, l'allure est à moins 1 sur le dé de course. Moins d'un au dé de course. Ouais, donc en gros, tu passes à moins 1 d'allure et ton dé de course devient 4. C'est ça. Après, j'aurais vraiment le temps de courir là. Cool à mort. Bien écoute, moi je suis en train de prier. Ça fait 3 éclairs qui me roussissent le poil mais qui ne me touchent pas. Je suis convaincue que je suis protégée. Et je vois que ma copine elle s'est fait toucher. Donc, tout en priant, je vais la soigner. Faut que tu te rapproches d'elle du coup. Je me rapproche. Ouais. À côté ou... À côté, oui, faut que tu sois en contact. Si c'est avec la magie. Enfin, de toute façon, même en compétence, faut. Elle en oublie sa lanterne. Là, je l'ai posée par terre. C'est vrai. Ok, donc tu soigneras sa blessure. Non. Que la luz de la muerte nous protège. Woodcutter. Ma couverture. Mais putain, t'avais couvert ce bar. Regarde, démerde. Ce pauvre vieux, il est tout seul. Démerde-toi, papy. Je regarde tout de suite mon allure. Pourquoi t'as besoin de ton allure? Tu tires à l'arbalète? Oui, mais pour m'éloigner un peu. Pour pouvoir fuir. Lâche. Mais non, pas lâche, vieux et il s'est jamais battu de sa vie. Non, pas lâche, non, mais raisonnable. Je dis rien. Oh, what? Pourquoi tu vas si loin? 10 mètres et il tire comme ça là. Ouais, ça va, je prends en compte qu'il y a le tronc ici, il n'y aura pas trop de problèmes de visibilité. En plus, il est dans la lumière, donc ouais, c'est bon. Allez, papy! Mais tant que t'as dit ça, ça va être un fumble. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Raté! Rhumatisme! Je relance. Rhumatisme! Ah! Ça marche mieux.
Ah, ça va, ça. Ah, je l'ai touché dans son gras. C'est la seule ombre qui avait beaucoup de gras et ça lui a pas fait le carreau mal. D'arbalète se plante dans son flanc alors qu'il est en train, il était en train, ah non, il ne mord plus alors qu'il avait relâché justement la pression de ses dents de la jambe de Fizzle, et ses yeux se retournent vers toi. Puis il se retourne vers Fizzle. Rolling Jude. Attention, laissez passer le tank. Même chouchou. C'est ça. Allez, le jet d'allure. Donc tu prends en compte que c'est pas droit, il y a un tronc au milieu. Cette case 14 mètres. Donc il faut que je fasse ça. Eh, ça passe, hein. Ça passe. Mais... tu es rageux. Et du coup, je balance un bon coup, gros coup de fauchon en faisant un cri rage, en faisant un... Ça marche pas très bien. Il t'a vu arriver, Nion. Il a esquivé. Tu gardes le jet ? Bah, j'ai plus qu'un seul béni, je préfère le garder pour un encaissement, on sait jamais. Fizzle, ce qu'elle va faire, déjà c'est de sauter secoué. Voilà. Ça marche bien. Ça marche bien. Et en deuxième, faut juste que je vérifie un truc avec les gabarits. Gabarit de conne. Est-ce que je peux avoir les trois? Absolument pas. Il y a aucun moyen que je puisse avoir les trois. À part quitter donc... Fiac, mais c'est pas une bonne idée. Non. Bah écoute, je pense faire un gabarit. Enfin, je pense faire une rafale de vent, donc un choc. Gabarit moyen. Donc ça éjecte toute personne qui est dans ce gabarit moyen. Un ravage du coup. C'est le sort choc. Ça va pas les éjecter. C'est pas choc qui éjecte, c'est ravage. Ah oui, c'est ravage. Ouais, ça les sonne, donc je m'en fous. Oui, mais ça va nous sonner nous aussi. Sauf que j'utiliserai le modificateur de sélection pour pas nous toucher. Tu vas perdre plein de PP là. Ouais, mais c'est ce qui est nécessaire. Ok. Je regarde juste le coup du truc. Section 1. Section 1 plus 2 pour la zone. Donc 4. 3 pardon, plus 2 pour le sang lui-même. Donc 5 PP. Ça a intérêt à marcher. Donc pour faire en sorte de caster que les 3. Ok. Voilà. Résiste avec vigueur, ils ont moins 2. En même temps, je vais revoir le sort pour voir, juste au cas où. Oui, c'est ça. Donc, du coup, il y a celui qui était à côté de toi qui sera sonné. Pareil pour celui-là, et l'autre à côté aura résisté. Ok. Ça les repousse pas ? Non, ça les repousse pas, ça les saute. Par contre, ceux qui sont sonnés sont pas à terre, mais ils ont limite un genou au sol, ils ont plus trop conscience de ce qui se passe autour d'eux. Ils sont normalement, pas de conneries, ils sont distraits et vulnérables. Je regarde dans le sonner. Est-ce que je peux les attaquer en attaquer deux? Jusqu'à la fin de son prochain tour, vulnérable tant qu'il reste sonné, tombe au sol ou à genoux si le MJ décide, ne peut pas se dépasser ou agir et ne compte pas pour une attaque à plusieurs. Ouais, donc ils sont vraiment dans la mouise. Sonner, c'est tellement fou. Début du tour du sonner, il doit faire une figure en action gratuite. C'est, il n'est plus sonné, mais reste. Ok, donc là c'est un nouveau tour. Allez, moi en premier. Hop, chaud! Atcha! Atcha!
Ah, je suis deuxième, ça va. Papy, il peut plus trop viser. Il peut plus viser l'autre qui est derrière moi. Plus. Il y a... Combien c'est là? En fait, il va... Mais non, parce que ça, là, là, il y a un... Il y a un trou d'arbre, oui. Le chat, casse-toi. Ça veut dire qu'il faudrait que tu fasses ça plus ça, en fait. Parce que sinon, là, en fait, ta Silver, il bloque le passage. Non, non, il va se mettre ici. Pour au cas où, si jamais ça... Que si jamais, tu sais, ça fasse, entre guillemets, encerclement des deux... Elle soit pas genre complètement submergée et puisse être là pour les aider. Parce qu'il fouille pas, il essaye de se placer pour les aider. Et avec son arbalète, il va pas recharger et attendre, il va tirer... T'as déjà rechargé de toute façon. Oui mais j'ai tiré aussi, donc je dois recharger et non, tirer. Non, au tour d'avant t'avais juste rechargé. Ah non, j'ai fait des dégâts. Ah oui, donc oui. Donc tu peux recharger et tirer, t'auras juste pas de bonus. Voilà. Enfin, j'ai le moins 2 de double action. Ouais, le moins 2 plus 2, quoi. Plus de la cause de quoi? Du Joker. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a, Krugal? T'es chiant. Ah, 0. Ah, lance-le, c'est buggé. Triste, ouais. Bon. Ça se fait que tu fais des trucs aussi nuls. Bah, j'ai pas beaucoup de stats en. T'as un D6 quand même. Sylvain. Ah 6 finalement, c'est pas si énorme que ça. Hein. Silver. Quel sera? Je crois qu'il est au temps. Il est temps d'amener la douleur. Alors déjà bump. Je vais juste attaquer le premier et j'attaquerai le second aussi. Ok. Tu n'auras pas de malus puisqu'ils sont tous les deux vulnérables. Bon, ça te donne un plus 2 moins ton moins 2. Du coup, je fais l'attaque, le dégât du premier et ensuite l'attaque, le dégât du second. Hein. Ouais. Peut te déplacer vers le second et l'attaquer. Attends, il avait pas encore fait les dégâts du premier. Ah oui. Bon bah du coup ça, j'ai pris en compte. Tu peux te déplacer pour le premier, pour le deuxième. Il est pas content là, Silver. Ça touche. Oh. Ah oui. C'est un fumble. Ouh. C'est pas tu peux pas faire de fumble sur les dégâts. Ah oui, mais non. C'est... Oui, non, mais... C'est vrai que c'est pas un gros dégât. Le truc, c'est qu'il en reste 2. Allez, je relance les dégâts. Parce que là, il faut qu'on enlève la pression, là. Je compte sur vous, là, pour... Allez, on reroll. Où est mon téléphone? Ah. Ah, ça suffit pas. Ah! Excusez-moi. Je m'en fous, là c'est moi qui ai attiré l'attention. Ça laisse l'occasion aux autres de faire. Par contre, vous êtes très proche de moi au corps à corps. Il est secoué. Mais il était pas déjà secoué? Non, il est sonné, pas secoué. C'est pas la même chose. J'oublie à chaque fois la différence. Bah, c'est surtout qu'on touche pour la première fois du sonné. Donc. School amour. Alors, maintenant que j'ai soigné ma copine, je retourne ici et je retourne prier. Voilà. Mais sérieusement? Oui, oui. Jusque là, ça marche. Eh. Mais tu peux pas faire autre chose? Non. Alors, cette fois-ci. Point.
Silver. Elle te loupe. Un éclair qui passe et qui s'écrase contre l'arbre à côté. Oui, parce qu'avec autant de gens à portée d'épée, c'est pas une bonne idée en fait de passer en rangée. Fizzle. Fizzle, c'est. Merde, attends, stop, j'ai zappé le tour d'un d'eux, pardon. Ah. Fizzle, il y a celui-là qui vient sur ta gueule. Vas-y, m'attaque, je suppose. Il te touche, bien évidemment. Forcément. C'était super simple de me toucher. Et 8 8, je vais claquer un béni. Parce que je me prends une blessure. Ça va. Je vais mieux. Je vais mieux. Donc Fizzle qui se fait acculer par... par plusieurs de ses ombres. Et... elle a super peur. Elle va utiliser son amulette pour se transformer. Ren, t'es d'accord que les Timberwolves, c'est en taille moisin? Ouais, mais c'est pas considéré comme un animal. D'accord, bon, alors en loup. En loup, en chien ou en gros chien. Ouais. Donc, elle va se transformer en chien et elle va tenter de taper celui qui l'a tapé. Donc oui, okay. ce sera une double action du coup. Transformation à moins 2. Faut que je regarde les stats des loulous. Transforme sans problème. En plus avec un bonus, il me semble. Il n'y a pas vraiment de bonus sur les prouesses sur la transformation. Si j'améliore ma force et ma vigueur d'un cran chacun. La force et la vigueur d'un cran du loup. Ouais, pour le loup, pour le chien. D'accord. Donc tu as un combat à D6. Ouais, combat à D6 et tu force à feras... D8. Ouais. Force et vigueur à D8. Ce que tu peux faire, c'est. Bah déjà, au plus, t'as moins 2 normalement, mais comme t'es taille moins 1 contre une taille 0, tu auras que moins 1. Ok. Bon, je me mets D6 moins 1. Et je m'augmente de façon à la demande. Façon temporaire, non, ma vigueur à D8 et ma force à D8 aussi. C'est ça, ouais. Tac, et je me fais une attaque morsure. Tac, et je l'attaque. Attends. 14. Combat. 14 plus combien? J'aurais peut-être dû préparer ça en rapide en avance. D6 plus T4. Du coup, c'est T8 plus T4. Ok, ça a l'air. Normalement, c'est bon. Morsure. Donc, j'attaque la bestiole en face de moi, celle qui a tenté de m'attaquer. Vas-y. Ça marche pas très bien. Non. Mais ouais, elle est. C'est comme un chien apeuré là. C'est comme un énorme chien apeuré qui lâche tout. Nouveau tour donc. Ah bah c'est aux ombres. Ah j'ai oublié de faire le jet de vigueur de l'autre. Et son jet d'âme. Désolé Fizzle si je me prends un coup. Alors, on va commencer par... Les deux terrestres sont toujours sur Fizzle, ils ont moins 1 et plus 1. Sachant que, vu que je suis là, est-ce qu'ils vont... Ça ne change rien. Ça change rien, ils vont pas essayer de m'attaquer moi. Ils ont trouvé Fizzle très dangereuse aussi, donc... du coup, il y en a un qui va toucher Fizzle. Qui est littéralement dans PT3. Sachant que... 9 dégâts. Attends, d'abord, ma parade, maintenant, c'est un 5. Ça ouais, ma parade. Ça a touché.
La parade, pardon, ouais, 5. 9 dégâts, je suis à 6 de résistance maintenant, donc je prends rien. Enfin, je suis secoué juste. Et l'autre continue d'essayer de tirer sur, sur Silver, mais ça marche pas. What? 5. Je reviens. Woodcutter. Golden. Non. Oui, je suis en train de réfléchir. On a encore perdu mamie. Ah, signale-toi quand tu quand on t'appelle. Excuse-moi. On perd mamie. Elle est de retour. À quel point elle a l'air en mauvais état, ficelle? Elle est surtout, elle est plus en PLS qu'en mauvais état. Elle est juste un peu secouée là. Ouais, faut se dire Fizel, elle est, c'est un gros chien, c'est un gros chien apeuré. Gros toutou. Ouais, c'est un gros toutou qui a peur et qui est un gros toutou qui a peur. Okay. Je sens qu'une de mes actions, ça va être de choper le chien et de le foutre dans mon dos. Eh bien, est-ce que je fais juste un truc pour voir? Ok. Il va pas foncer dessus en gueulant. Il va encore une fois se déplacer et tirer. Il va juste reculer un petit peu. Utiliser le T et se mettre comme ça pour avoir le tronc à côté de lui. Ok. Et tirer là. Dans le même tour. Même si c'est à moins 2. Hein. Au bout d'un moment, il finira bien par toucher. Ou pas. Il mange pas très beaucoup bien. Ouais, j'aurais dû foncer dessus à la dague. Silver. Alors, première chose, je vais choper Fizzle et la foutre sur mon dos. Ensuite, je vais frapper l'ombre. Alors, dans ce cas-là, je vais... Tu vas pouvoir... Attends, regarde par rapport à l'encombrement. Je pense que ça va, il est pas trop encombré, Silver. Je vais prendre en compte que si tu portes quelqu'un, tu es considéré comme encombré. Même... Oui. Parce que je peux porter 100, quand même. Oui, oui, mais c'est un personnage, c'est pas rien non plus. Ouais. Bon, après, pour l'instant, c'est un chien, donc... Mais oui, pareil. Mais quand même. Bah, écoute, je vais le faire quand même. Alors, donc... Bah, si je peux, vu que t'es en mode chien apeuré. Personnage encombré réduit son allure de 2 et subit moins 2 sur les jets de course, agilité et compétences liées à l'agilité et de vigueur pour résister à la fatigue. Ouais, ça va. Donc t'auras moins 2 sur ton combat, quoi, et sachant que je considère quand même que porter quelqu'un, c'est censé être une action, ça te fera moins 2, moins 2. Est-ce que tu veux vraiment faire ça pour attaquer quelque chose? Je le mettrai pas sur mon dos, mais du coup derrière mon dos, derrière moi. Ça reste quand même une action. Mais au moins tu seras pas encombré. C'est ça, je vais faire... Tac tac, je le mets dans mon... Je vais tout de même te demander un jet d'athlétisme contre le leurre. Car tu la retires du cac, et il y a possibilité d'attaque d'opportunité. Sur elle, du coup. Est-ce que tu veux vraiment faire ça? Non, on va attaquer les deux, du coup. c'est bon, ça me saoule. On va leur couper la tête, comme ça, s'il y a coupé la tête, il n'y a plus besoin de déplacer Fizzle. Allez, hop. Quoique, je peux prendre en compte que c'est une action de pousser, et là, possiblement... Attends, je réfléchis. Laisse-moi juste réfléchir de mieux. Un peu, c'est ce qu'il dit un peu. C'est, il dit que c'est une action de pousser, genre il me pousse derrière lui. Sauf qu'il a appelé la poussée. Si je le prends et je le pousse derrière moi, tu vois, c'est genre limite, je mets la patte. Alors, entre... deux secondes, je lis. Alors. Sure. Comment ça faire chaud? Je dois faire un jeu opposé de. Ils commencent à faire leur course de moto derrière chez moi. La question est, Fizzle, est-ce que tu te laisses faire?
Mais pour l'instant, je suis secoué, donc je sens pas trop... Qu'est-ce que tu te laisses faire? Question. Tu es secoué, ouais. On s'en fout. Qu'est-ce que tu te laisses faire? Oui. Dans ce cas-là, tu vas faire un jet de force, Silver. Attendez, ça s'est pas entendu, mais je viens de craquer les doigts, là. Toutefois, il sera quand même à moins 2 parce que tu comptes attaquer derrière. Oui. Allez. Allez. What? T'as fait 2 moins 2. Ce genre de choses arrivent. Donc tu n'arriveras pas à la pousser, tu préféreras en fait te précipiter sur l'attaque. Ouais. Et allez, c'est parti. À l'attaque! Mais c'est pas vrai! Ça sert à quoi d'avoir des trucs de D8 si je fais des G pareil? School amor. Alors, s'il nous touche, on est mal. Je continue de prier. Fizzle. Et plus fort. Très plus fort. Fizzle va se secouer. Et va attaquer à nouveau. Il va tenter d'attaquer l'ombre qui l'a attaqué. Ok. Donc, morsure. À moins 1. Morsure ou griffe, hein, c'est la même chose. Pourquoi moins 1 parce que t'as dit quand il y a une différence de taille de moins 1. Enfin, de 1. Ah oui, mais c'est. Si, mais plus 1 du coup. Ah. Parce que c'est toi qui es plus petite. C'est Seidberg. Bon, à 12. Vas-y, roule-moi des dégâts. N'avale pas ce qu'il va. N'avale pas si tu le tues. Ah oh, merde. Les dégâts de Fizzle aussi. Je vais le piquer ce Zoidberg quand même, il est magnifique. Et surtout triste avec le machin qui se casse la gueule alors qu'il devrait faire l'air ça. C'est le Slinky. Bon bah. Ça lui fait pas grand chose à l'ombre. Bon bah c'est gênant. Écoutez monsieur, je vous jure que ça ne m'arrive pas d'habitude. Bon, il y a une ombre qui sera sur toi Fizzle, l'autre qui sera sur Silver. Ok. Celle sur Fizzle Loop. Celle sur Silver fait 11 au toucher. Donc t'as combien de parades? J'ai 7. Attends, je crois que j'ai 7. T'as pas relancé les cartes là? J'ai 7. C'est un nouveau tour là. Oui, mais t'as. Ah oui, non, pardon, c'est un nouveau tour. Oh, autant pour moi. C'est vrai, je dois relancer les cartes. Merci, Loupi. J'ai eu peur. Et là, il fait un jeu. C'est moi. Ah, Silver, c'est ton tour. Oui. Alors, je vais... Merci, Loupi. Merci, Loupi. C'est la luz de la muerte. Un béni pour Loupi. Allez, moi, je vais faire tchac-tchac sur chacune des ombres. Oui, là. Elle mérite les bénis, là. Mais non, n'importe quoi. Mais si, les bénis, oui. C'est censé être... J'attaque, j'attaque les deux ombres l'une à la suite de l'autre. Est-ce que ça me fait des bah, moins 2 sur les deux. Moins 2. Parce que c'est une double action. Moins 2 sur les deux, mais tu auras plus 1 sur celle-là. Il y a Fizzle qui l'attaque. Moi, que ce soit l'autre que tu attaques. Ton prochain atout, ça va être. J'attaque. Je pose la question à Fizzle là. Tu es attaqué à laquelle? Celle qui m'avait lancé un sort, donc c'est celle-là. Bah non, c'est pas des licornes, chaton. C'est laquelle? Ça, c'est la licorne, elle est là-bas. Ah oui, bon, bah je tapais celle-là dans tous les cas. Ok, donc tu auras seulement le plus 1 sur celle-là, donc moins 1 seulement sur l'autre. Ouais, non, mais du coup, moins 2. J'ai pas un bonus parce que elle est coincée au corps à corps contre deux d'entre nous. Je viens de te le dire, le bonus, tu l'auras sur l'autre. D'accord. Donc voilà. Okay. Et par contre, tu auras intérêt à au moins sonner celle-là, sinon elle aura une attaque d'opportunité. Ouais, bah lance les dégâts. Vas-y, lance les dégâts. Allez. Épée en mousse. Ah. Allez. Bah voilà. Plouch. Je tiens à dire que quand même, Silver a fait je sais pas combien des ombres à lui tout seul. C'est beau. Et c'est donc c'est dur, l'autre hein. Seulement à moins 1 du coup. Moins 1. Mais attends, en fait t'es costaud. Eh ben. Elles sont à taille 0, techniquement t'avais moins 1 sur toutes.
Eh ben. Bah normalement les bonus et les malus étaient encore plus gros. Erreur. Voilà, tu fais ça. Et là, tu fais ton G sans, tu fais ton G à moins 2. Voilà, ça touche. Voilà. Tchac tchac. Bah tchac tchac. Woodcutter. Yeah hey mode oui. Super Saiyan. Je recharge et je vise. Et tu vises après où? Là. Là. Oh, mais ils vont bouger. Alors, bah, donc, au pire, je fais ça, voilà. Je mets au tronc du petit arbre. Ok. Et je vise. Donc tu auras seulement du coup le moins 2 de la double action et le moins 1 de la pénombre. Mmh. Ouh, j'y pense. Allez, Pépé, tu peux le faire. Oui, je vise, donc je peux pas tirer après avoir visé. Je dois attendre. Ah oui, mais tu ne peux pas viser si tu as rechargé. Bah alors, et je recharge juste et je m'attends. Et j'attends. Alors, Silver, ça sera pour toi, celle-là. Touché. Vous êtes au corps à corps. Ce n'était pas une bonne idée. 6 dégâts. 6 dégâts, j'ai 6 en résistance. Tu es secoué. Je vais essayer de faire un jet d'intellect. Tu rentres en rage. Alors là, vous voyez, là, Silver, il a pris des dégâts et vous le voyez commencer à. Il commence à s'énerver. Il vient à peine d'être à la fin du combat pour rentrer en rage. Bou MJ, bou. Et quoi, Fizzle ? Ah, toi, oui. Bah écoute, t'as l'autre qui arrête pas de tirer, qui arrête pas de tirer sur nous et qui vient de toucher, Silver. Bah la Fizzle, elle va taper un sprint pour aller lui, pour lui donner un énorme coup de patte dans la gueule. I like you, Kaji. Ah non, je ne veux pas voler la lanterne de... La lanterne. Que d'ailleurs... Question rapide. Le sort transformation, c'est censé prendre toutes les possessions toutes les possessions de l'arcaniste. Est-ce que ça prend aussi ma lanterne? Pour le coup. Il n'y a plus de lanterne. Non, on va dire qu'elle est à côté. Ok, donc elle sera posée au salon. Tac, j'arrive au cac. J'attaque. Vas-y, du coup, je fais la plus un moins deux à cause de la pénombre. Oui, c'est ça. Donc, moins un. Raté! Skoula! Est-ce que bon. Je peux faire léviter ma lanterne jusque-là? Je vais pas l'autoriser puisque normalement il faut de la télékinésie pour. Je veux bien pour des petites actions hors combat, mais pas là. Bon, et je peux la faire léviter jusqu'à moi. Faudra que tu sois proche d'elle pour que ça marche. Je suis à un mètre. Proche, vraiment à son cac. Ouais, bon, d'accord. Et bah écoute, je vais chercher ma lanterne et je vais aller. Tiens de la lumière. C'est ça. Elle tire la chandelle littéralement. Ah, ah putain. Hop. Voilà. Et je continue de prier. Nouveau tour. Si j'agis en premier. Putain, il agit en dernier. Vous avez du bol. Peut-être. Je suis dubitatif face à l'attitude du jeune et je vais aller dans ce sens-là. Face à l'attitude de qui? Du jeune homme qui est en train de vriller. Ah oui. Et je vais tirer. Ok. Normalise du coup vu que j'ai rechargé.
Et elle est dans la lumière, donc ça va. Ça, en vrai, c'est la deuxième qui touche. C'est chaque fois j'ai un rouge et ça m'énerve. Mais ça va, tu arrives à nous la secouer. Voilà. Pong. Oula. Ça marche. Ça marche. Oula, elle prie. Bah oui. Elle prie. Quoi d'autre? Fizzle. Fizzle. Pardon. Fizzle va continuer d'attaquer. Je compte bien mon nombre de tours. Hop. Donc Fizzle va continuer d'attaquer. Je suis désolé. Du coup, juste à plus 1. Du coup, vu que j'ai plus la. Oui. Vu que j'ai plus le malus de. Oui. Mais. Raté ! Ça sert à quoi de s'être transformé Elle n'arrive pas à se recevoir. Silver ! Alors attends, parce qu'il faut que je relise. Je vais relire aussi. Parce que là, j'ai peur pour ce coup-là. J'ai un peu peur pour tout le monde. Ah non, c'est seulement quand je fais un échec critique sur un jet d'attaque. Attends. Je suis si utile. Ah oui. Il peut choisir une cible adjacente que la cible ami ou ennemi. Oui, ça va. Ah bah, moi, c'est simple. Mon perso, il continue... il montre les dents. Il passe. Il dit même pas pardon ni rien. Il vous repousse littéralement. Et là... C'est ton attaque totale. Donc tu as plus 2, moins 1. Puisque c'est les petites, plus 1 seulement. Tu as fait ton jet d'âme pour te secouer, pour te désecouer? Ah non, je l'ai pas fait. Attends, ben je le fais tout de suite du coup. On ignore ce que j'ai fait. Eh ben tu n'es pas désecoué. Du coup, mais tu peux toujours te déplacer. Tu peux te déplacer toujours, mais tu pourras pas attaquer. Il va se mettre à côté d'elle. Moi je me mets. Moi je me mets à côté. Littéralement, je hurle dessus. Je lui hurle dessus. Misa. Eh ben ça tombe bien, c'est ton tour. Allez le jet d'âme. LG dame. Allez. Parti. Tu es resecoué et. Enfin tu es désecoué, pardon, et tu peux faire ton jet de combat. Ta-da-ta-ta-ta-ta. Mange le sol. Les dégâts. Il est pas content. Et tu l'achèveras. T'as oublié de mettre les plus 2. Ouais, j'ai un plus 2. Parce que tu fais une attaque totale. Non. Bah j'ai plus 2, moins 1, parce que c'est une taille petite. Oui, mais tu fais une attaque totale, donc t'as quand même plus 2 de dégâts. Ah oui, aux dégâts aussi, le plus 2, oui. Ah bon, bah je. Elle sera éclatée au sol. Je continue à frapper l'endroit où elle est. Elle va reculer un peu. Voilà, voyant tant de violence. Il respire fort. Là, il crie plus. Faudra faire des jets d'intellect à moins 2 du coup pour te sortir de ta rage. Le papy, lui, il est. Vas-y, même si lui, il a pas pris de coup, il a pas arrêté de courir. Donc... Ça marche pas. Est-ce que les autres tentent d'essayer de l'aider à le calmer? Ouais. Tout un calme. Pour le moment, je suis pas. Enfin, qu'est-ce qu'elle fait ce coup-là, en fait? Ah bah. En fait, elle s'approche de toi pour voir si tu vas bien. Et vu que l'autre, il est encore en train de s'enfoncer dans la terre. Il s'enfonce pas. Ouais. Non mais c'est genre. Non, en fait, j'imagine il tape tellement fort la flaque que ça s'enfonce, tu sais. Ouais. Il va créer une nouvelle faille. Et du coup, elle va vraiment gueuler. Toi, te calme. Je peux te demander un jet d'intimidation qui servira en soutien. Intimidation. Calmez-vous.
persuasion. Plutôt de la persuasion, non? Bah, c'est un fumble. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que c'est l'objet pour persuasion et intimidation? Oui, c'est de la... Non, mais je demande à School. Tu me demandes si j'ai le même dé? Le même dé, ouais. Oui, j'ai le même dé. Bon, du coup, on relance pas. Mais du coup, ton égène d'intellect, il fera à moins 2, s'il te plaît. À moins 4. Il va me charger. Il va me charger. Il va s'énerver encore plus. Oh, oh. Ça a marché. La loose et la vérité me protègent vraiment. Je te donne un béni pour ça. C'était le bonbon. C'était inespéré. Avec un moins 4 et en plus les deux ont explosé. Oh, c'était trop beau. Le normal et le wild. Les deux ils ont explosé. Oh, à côté, pendant encore un petit, pendant encore le temps qu'elle est encore transformée en chien, il y a Fizzel qui va se recroqueviller à côté de toi ce coup-là. Je te patte. Calme-toi. Toujours en toutou. Oui, oui. Ça dure encore, le sort dure encore. Calmez-vous. À la fin du combat. Ça dure encore 2 tours, donc 12 secondes. Ouais. 12 secondes le temps. Donc le temps que ça se fasse. Pendant les 12 secondes, vu que je vois que Silver s'est calmé, on sait pas trop pourquoi, mais ça a marché. Je la patte en disant doucement calme-toi. Calme-toi. Je vais faire un jeu pour voir si ça va mieux. Ça va calme. Ouais, ça va calme. Je vous retire juste les lanternes ici, histoire que je vous copie à un moment. Ouais, juste laisse-moi le temps de virer mon état. Voilà. Merci. Silver, il continue à respirer fort, mais il s'est calmé. Donc, elle se détransforme. Bah, du coup, la patte encore un peu, puis j'arrête parce que ça devient gênant. Tout le monde va bien? Ouais, ça va. Eh oui. Wow, vous avez vu ce qu'on leur a mis? C'était quoi ce truc? C'est Silver qui a tout fait. Vous savez ce qu'on leur a mis? C'est Silver qui les a tués. Son premier combat. Il a le droit d'être hype. Je vais en rajouter une couche. Attends. C'est parce que c'est la loose de la muerte qui nous a protégés. C'était ça que vous faisiez en étant à genoux par terre? Oh, ça marche trop bien. Bah oui, il suffit de croire. C'était quoi ces trucs? De quoi? Oh, tu sais ce que c'est, des ombres. Ouais, c'est... Ouais, mais je pars du principe que... soit ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu ou... C'est le choc. Ou... C'est le choc. Elle en a vu que dans les livres. Ouais, voilà, c'est le choc. Bah, c'était des ombres, mais la loose de la muerte nous a protégés. Il y avait les pattes. Ah oui, là, j'affirme. Silver, il est encore un peu enragé. Il dit, moi, j'ai rien vu. Hein, j'ai juste vu mon fauchon qui l'est coupé. Hein. Bah oui, parce que la loose de la muerte t'a donné la force de le faire. Et elle te patte l'épaule. Elle l'a guidé, c'est ça? Toi, elle t'est guidée. Et le... Winter. Silver qui fait, j'en sais rien, mais ma force, c'est à la forge que je l'ai eue, c'est pas la loose de la muerte là, qui me l'a donnée. Le school-là, blasphème. Alors, toi, encore sous le choc, c'est pas grave. Voilà. Woodcutter, lui, il est en mode hype, en mode voilà, il était effrayé, puis là, il est revenu. Est-ce qu'on leur a mis tout ça? Alors que techniquement, il a pas fait grand chose, mais c'est son premier vrai combat. Mais oui, Silver, il est encore en train de respirer fort. Elle te patte très gentiment l'épaule. Calme-toi. Et si on avançait? Ah, mon épée! Qu'est-ce que j'ai fait avec mon épée? Silver, il se rend compte qu'il a frappé dans le sol. Il examine son épée pour voir s'il l'a pas cassée. Il y a des microbes dessus, il va falloir mettre du désinfectant. Calme-toi, mon grand.
m'apprendrez comment ça marche, les trucs que vous avez fait en étant à genoux par terre. Bien sûr. On l'a trouvé à la fin, il va avoir du masque peint sur le visage. De qui donc? Je veux ce dessin. Ma woodcutter. Trop naïf. Bah quoi, ça a marché, non? Et elle s'est pas pris un seul dégât. Bah oui, justement. C'est trop bien. Lui, il était mais à distance. Là, what the fuck. Non mais, quand les jets sont en accord avec ton RP, c'est parfait. Est-ce qu'on peut avancer? Oui, oui. On va peut-être attendre que papy se soit un peu remis et que le grand. Non, mais aussi. Je suis remis, c'est juste l'excitation là. Vous allez avancer encore pendant quelques heures, tranquillement, totalement remis de votre combat, revu les armes pour certains. Tout va bien, tout est nickel, tout est bon. Et je vous change de map. Vous pouvez remettre vos lanternes sur vos tokens. Oh, bonsoir. Et vous verrez ce que vous verrez sur la map. C'est un piège. Tout de suite. Attends, elles sont nos lanternes? Elles sont nos tokens? Ah, on arrive d'en haut? Ouais. J'allais sortir une tente. Attends, moi les trucs sont en train de charger. Je marche en tête, hein. Parce que là, j'étais pas en tête et Fizzle, elle s'est pris. Mais alors, la masse. Alors, mon perso, il va tout le temps être en tête maintenant. Bah, ça donc, va. Donc, vous dites que la Muerte, là, elle vous protégeait. Attendez, activement. Il y a le kick. Attendez. Attendez, ma map met un poil de temps à charger. Mais bien sûr qu'elle me protège puisqu'il y a la Vénère. Juste en étant en train de. À genoux comme ça, en étant attaqué. Bien sûr, vous avez vu, il n'y a rien où, moi. Prochain combat, il prie la lose et la... Ça n'a pas marché. Le pauvre, il va mourir à cause de moi. Elle m'aimait. Mais sinon, je voulais dire par rapport, enfin, hors RP. Pardon. À la réponse genre, ouais, mais ma force, je l'ai obtenue à la forge. T'aurais tellement pu répondre, ouais, mais c'est la loose de la Muerte qui t'a donné ta forge. Oui, voilà. Non. Pas quand même. Alors, je vais juste demander un truc au spectateur. Est-ce que l'un d'entre vous veut bien redéposer un jeton de spectateur à côté de celui qui est là-haut? Parce que j'ai fait quelques petites modifs, c'est pour savoir. Normalement, vous pourrez tous les voir sans avoir à avoir 10 000 tokens et ça a l'air de marcher. Parce que plus vous en posez, plus ça m'éclaire mon écran et c'est chiant. Donc vous aurez tous le même token et évitez du coup d'en poser 10 000. Voilà, c'est tout. Ce que vous voyez sur la map, vous le voyez, ça, il n'y a pas de souci. Oh, il y a des gardes. Ah oui, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont l'air de discuter. Il est quelle heure d'ailleurs? Ça serait une fin d'après-midi. Une fin d'après-minuit. Oh, quel petit comique. On perd Goldon. Il traîne en arrière. Ouais. Il est en train d'essayer de prier. Non, je déconne. Ah non. Et ça va, je vous ai pas blessé avec tous les coups que j'ai mis dans le vide. Oh non. C'est pas un carreau qui vous est tombé dessus? Non. Mmh. J'ai juste essayé d'effrayer des Timberwolves une fois de très loin, mais juste une fois, donc je sais pas tant m'en servir que ça. C'est déjà pas mal, hein. Donc elle a fait briller sa corne, c'est ça, la source de lumière. Juste comme ça, elle vous salue de la tête. Hola. Bonjour. Bon. Elle commence à dire bon. Elle dit bon, et ensuite elle regarde le ciel. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. 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 Un souci? Bonjour. Non. Je vais juste vous demander un petit jet de perception. Elle est le jet de perception. On se demande quoi? Oh putain! Oh putain! Oh le 19! Je vois tout. Oh, 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 je alors vois... c'est que des changements. Je vois l'univers.
Je vois le monde, je vois les joueurs derrière l'écran. Pardon, excusez-moi. Donc Galzrath, Silver, tu verras que le gars derrière, il avait l'air d'avoir fait tomber quelque chose du chariot, qu'il a vite remis, genre c'est pas moi. C'est une tête. Ouais. Les autres, vous voyez, c'est pas une tête, c'est une corne. Ouais. C'est une corne. Une corne. Une corne. Une corne de quoi? Une corne de licorne. Est-ce que vous partez? Mon perso, il se dit, tout va bien? Il dit, il a rien, il sait pas ce que c'est, il dit juste, tout va bien? Vous êtes des gardes de Canterlot? On est des gardes, pas forcément de Canterlot. Vous êtes des gardes de quoi? Du soleil. Mmh. Et vous êtes des gardes ou vous avez pris l'armure des gardes que vous avez tués dans la chariote? Discrétion. Elle s'approche de toi. Ouais. Lieutenant Starblue te cite tout un pedigree, vraiment toute sûre d'elle. Ouais. Mais moi aussi. Et vous êtes. Yes, we school armor. Et c'est à qui la corne de licorne qui est là-bas? Que votre ami a fait tomber? Une corne? Mm-hmm. Les gardes du soleil n'exécutent pas les gens. Je sais pas, j'en ai jamais croisé. Moi, il y a demande, hein, c'est tout. Écoutez, des cornes, on m'a trouvé. Ah ouais, vous trouvez des cornes comme ça, ça pousse sur la route? Vous me prenez pour un yambon, quoi? Y'a ce pas un ramon? Un ramon? Et pour qui vous prenez-vous? Mon perso, il va la regarder de haut en disant « Vous êtes sûr que c'est la vérité ?» Attends, elle dit « Pour qui vous prenez-vous ?» Non, mais pour qui vous prenez? Attends, elle bombe le torse. Enfin, le poitrail. Elle fait « Yes, we school la mort, la prêtresse de la luz de la muerte. » Oui, et elle est protégée. On est témoins. Fizzle qui bug un peu. What the game? Eh bien, prophétesse de je ne sais quoi. La loi de la muerte, ne blasphémez pas. Mêlez-vous donc de ce qui vous regarde, on fait juste notre job. Mais ce serait plus simple si votre job, excusez-moi, vous étiez moins suspect quand même. Faut comprendre, les gens, imaginons d'un seul coup, ils voient des gardes et dedans il y a des cadavres sans aucune explication. Des citoyens nous ont annoncé l'arrivée, enfin, nous ont annoncé qu'il y avait des cadavres dans le coin. On ne fait que enquêter sur une zone de crime. Oui, c'est tout. Suite, c'est plus crédible. Bah voilà, il suffisait de le dire. C'est moins suspect. C'est ce que je me tue à vous expliquer. On doit pas forcément donner tous les détails, voyez-vous, en tant que garde. Est-ce qu'on peut vous aider? Elle fait les yeux doux. J'ai de persuasion. Oh, JPP. Persuasion. Ça va. Presque. Presque 17. Elle te jure de haut en bas, et qu'est-ce qui pourrait vous donner le... Qu'est-ce qui pourrait vous donner ce privilège de pouvoir nous aider? Bah, on travaille pour des légendes, alors... Enfin, eux, ils connaissent mieux. Amber, Vulcan Order, tout ça. Pour des gardiens de l'ancien temps. Mmh. Attendez, c'est pas ceux qui ont monté une organisation récemment? Si. On en fait partie. Tu vas dire, oh, c'est charlatan. Quoi? Que quoi? Très bien. Ok. Bah, c'était pas dur. Bien. Mon amant. Eh bien, on n'a pas vraiment besoin d'aide en soi. On a récolté tout ce qu'on avait eu à tout ce qu'on a eu à récolter. Mm-hmm. Elle se positionne proche du drap. Et par contre, c'est pas joli à voir. Oui. Et d'un coup de sa corne, elle fait léviter. Vous voyez trois cadavres de licorne. Brûlées, mais noires, carbonisées, toutes sans leurs cornes. Et je vais vous demander un jet d'âme. Ouais, je...
Ça j'ai va. Déjà vu ça. Même si je dis, hein, j'ai déjà vu un accident de barbecue. Vite. Ça va. C'est... Vous aurez un peu quand même de haut le cœur pour oui. certains. Genre, c'est vraiment. Pour Fizzle. Mais sinon, ça va. C'est pas Jojo, hein. Ouais. On a retrouvé ces trois cadavres de licorne plus loin dans la forêt, carbonisés entièrement, sans leurs cornes. Et vous avez pas une idée qui pourrait faire une chose pareille? Une créature, peut-être? Un dragon? On a bien retrouvé des traces de sabots d'une vingtaine d'individus, à peu près. C'est beaucoup. Des pyromanes. Ce... Vous savez depuis combien de temps ils sont... Elle désigne avec le sabot... Mort. Ouais. Elle détourne le regard en même temps. Je vais aller la patte. On dirait... Je pourrais dire... On peut faire des estimations de 3 jours, tout au plus. Eh ben... Je suppose, Ren, que vu qu'ils sont carbonisés, on peut pas voir leur couleur de... Ouais, c'est ça, on peut pas trop voir leur... Il n'y a plus trop de couleur de pelage, ni de crin, ou quoi que ce soit. Mais au niveau de la corne, est-ce qu'on peut pas voir un peu de couleur? Si elle est coupée, elle est peut-être pas carbonisée autant que le corps. Après, ça va... Non, c'est vrai qu'on cherche... Ouais, c'est... Une licorne? C'est pas un Pégase, le mari de l'autre, là? Je sais plus. Non, c'était une licorne. Eh. Crin mi-long, licorne bleu violacé avec une armure de cuir. Effectivement, il pourrait y avoir un petit peu de couleur sur les cornes. Il y en aura une qui sera couleur marron, une autre bleue et une autre violette. Mm-hmm. Bleu violacé ou bleu violette bleu ou violette. C'est difficile à voir en pleine nuit, bleu violacé. Est-ce qu'on le remarque? Ils avaient des affaires. On a trouvé quelques effectifs pour certains. Est-ce que vous auriez trouvé une armure de cuir près de l'un d'entre eux? Les armures de cuir, on en a vu pas mal, ils en avaient tous une. Visiblement, deux d'entre eux étaient des aventuriers de Wimborne. Et le dernier? Aucune idée. Mon personnage, il va s'asseoir et poser un sabot sur les yeux. On a retrouvé un peu plus loin quelques autres affaires, quelques armes, mais on ne sait pas si elles appartenaient vraiment à eux ou pas, mais c'était pas très loin de leur armure. En soi, deux épées et deux arbalètes. Elle nous avait renseigné, la dame, sur les armes de son mari. Dans une un peu plus petite. Il me semble... Ça, c'est une information que j'ai pas notée, mais il me semble qu'elle avait... Il utilisait... Je crois qu'il avait une arbalète. Je crois aussi. Oui. Je crois aussi. Ça, c'est malheureux. J'ai complètement zappé de le noter, ça. J'ai été con. Bon. Je vais poser ma lanterne. Et je vais prier pour les corps. D'ailleurs, les effectifs, les affaires sont, enfin les armures, tout ça, sont sur un autre côté du chariot. Et en te voyant, elle hausse un sourcil. C'est quoi, timbré? Elle le dit à voix haute? Non, elle le pense, juste. À propos de qui? Ah mais non, mais c'est ce coup-là. Parce que je suis en train de prier, en fait, en, genre, tu sais, que la luz de la muerte veille sur vos âmes, et puis je fais un bisou sur mon sabot et je le pose sur le cadavre, et ainsi de suite. Moi, je regarde les trois autres et je dis, je crois qu'on a trouvé la personne qu'on cherchait. Soyons pas si sûrs, hein. Peut-être que...
Peut-être que qu'elle est déjà arrivée et qu'elle a pris qu'il a pris un peu de temps. Hein. Peut-être. Pardon. Vous recherchez quelqu'un en particulier? Ouais. Oui. Oui. On recherche une licorne. Justement, une licorne bleue avec une armure en cuir qui était partie de Canterlot jusqu'à Huffington depuis à peu près une semaine. Et il semblerait. Enfin, ils étaient partis avec une charrette. Et je crois que dans le groupe, il y avait un Pégase avec eux. Et étant donné qu'il y a. Enfin, qu'il n'y a ni charrette ni Pégase. Enfin, je suppose que la charrette, c'est la vôtre. Oui. Vu qu'il n'y a ni charrette ni Pégase, on peut supposer que. Qui le moins arrive à Huffington. Dites, ça fait combien de temps que les corps ont été retrouvés? On les a retrouvés dès aujourd'hui. Ils sont pas depuis. Combien de temps elle détourne? Enfin, elle essaie de. Vous n'écoutez pas quand on part. 2-3 jours tout au plus. 2-3 jours. Désolé. Je vais lui faire un câlin. T'inquiète pas, la lode de la muerte veille sur eux maintenant. Regarde un petit peu au ciel, voir un peu la lune. Bon, si vous avez rien d'autre à nous demander, nous on va pouvoir reprendre route. On peut regarder un peu les armes et leur équipement? Allez-y, faites. Gracias. Silver, toi, tu connais, non? Oui. Tu peux pas regarder un peu? Je m'en occupe. Voir s'il y a quelque chose de ressemblant avec ce qu'elle a dit. Je m'en rappelle. Je vais me faire un jet de perception. Moi? Ouais. Oh! Je connais tout! Tu fouilles un petit peu toutes les affaires de tout le monde, tu prends un petit peu ton temps. La garde qui a l'air un petit peu impatiente, mais elle laisse faire. Tu fouilles un petit peu dans les poches de chacun, dans les poches secrètes parfois de certaines armures en cuir. Tu sais que sur certains modèles, il peut y en avoir. Pas grand chose à signaler, quelques petites babioles, une insigne de membres d'aventuriers de la guilde de Wimborne sur deux d'entre elles. Ouais. Et un petit portefeuille sur un autre. Oh non. Mais pas plein d'argent, non. Juste une petite photo. Et là, c'est la fille de Glenn qui... Ah, quoi? La fille de Glenn. La fille vendeur de portraits. Une... Donc, il y a une technologie pour faire des photos maintenant. Retenons ça. Non, c'est portrait peint. Un portrait peint de la petite ponette que tu reconnais, Flora, et 5 de ses gosses. Super. Bon, le doute n'est plus permis, à moins qu'il soit fait voler. Mon perso verse une petite larme quand même, parce qu'il espérait aider ses... Le mien aussi. Pour l'instant, il n'y a que Silver qui le sait. Mon perso, il est derrière, il baisse la tête et il écrase les oreilles sur son crâne et... en mode oh non putain. On va bien. Il se lève en faisant un grand soupir. Et il se dirige vers les autres. Ah, ce coup-là, je peux pas passer. Il te demande si tout va bien. Oui. On a la confirmation que la licorne qu'on recherchait fait partie de celles qui sont mortes ici. Oh, on baisse les oreilles. La lieutenant soupire un petit peu d'agacement, mais bon, au moins une bonne nouvelle. Bonne nouvelle? Vous appelez ça une bonne nouvelle? Il y a une personne identifiée. On a une personne identifiée. Ouais, personne identifié, on saura la ramener à sa famille. Ce sera autres, pas ça va être un peu plus compliqué.
Et du coup, je pose juste une question au groupe. Donc, est-ce que c'était sûr que c'était lui et il y avait un Pégase avec son groupe? Je suis plus sûr. Il y avait un Pégase, mais si ça fait 2-3... Si ça fait 2-3 jours qui sont morts, je pense qu'il y a la possibilité qu'ils soient déjà arrivés à Huffington et qu'ils se soient fait attaquer sur le retour. Oui, mais du coup, il est où le Pégase? Il doit être déjà arrivé à Huffington. Ah oui, c'était lui qui les a amenés à Huffington. C'est ça, c'était lui. Ou alors, je suis peut-être parano, mais peut-être que c'est le Pégase qui fait partie d'un groupe qui leur a fait ça. C'est peut-être parano. Mais s'il est là, s'il doit y avoir enquête, on peut le dire aussi. La dernière personne qui l'aurait vu devrait être ce Pégase. Faudra essayer d'en savoir plus pour la police faire son travail. Enfin, la police de la garde faire son travail. Vous avez un signalement sur ce Pégase? Faudra demander à la femme. Juste qu'il est vert. On sait, et qu'il avait une charrette. Et qu'il a été escorté. Ils ont commencé à être escortés il y a une semaine de Camper Lodge jusqu'à Huffington. Je vois que la lieutenant a l'air de prendre des notes. Donc le voyage, ça correspondrait, je pense, avec le temps du voyage. On n'en sait pas plus sur le Pégase. Ok. Et je vous demanderai un signalement total de l'identité de la personne que vous recherchiez. Bah, du coup, je vais m'approcher de la lieutenant et je vais tout lui expliquer. Ok. Alors, certains brainstorm, signalement gris, enfin pas gris, pardon, bleu violacé, blablabla. Bleu violacé, enfant, 5 enfants et une femme, Pluralif, à Canterlot. Te demandera de confier les pièces à conviction quand même. Venez. On aura des questions à poser. Très bien. On vous remercie pour votre collaboration. Ouais. On aurait préféré que ce soit pour autre chose, mais. On aurait préféré confirmer. Ah, ça fait plaisir à personne. Oh, il y a un garde derrière. Oh, moi j'aime bien. moi j'aime bien. J'adore les cadavres. Alors lui c'est le gros méchant, hein. Ça va être une liche. Ah, moi j'aime bien travailler avec les cadavres. Bon alors lui c'est le gros méchant, c'est une liche. Ou un nécromancien. Ou alors il dit un médecin légiste, meilleur de l'univers. C'est de qui, des NCIS? Mec qui parle aux morts tout le temps. La référence. Eh, désolé, bon. j'ai des parents qui regardent. Qu'est-ce ça. Qu'on fait, nous? On retourne à Canterlot ou on va quand même voir... Je pense que ce serait mieux. Je pense que ce serait mieux de... Qu'on lui annonce la nouvelle et... Je sais pas vous, mais moi je lui rendrai l'argent. Je lui rendrai l'équivalent de... Ouais. De ce qu'elle nous a donné. C'est pas tout ça, mais nous on a du boulot. Vous rentrez à Canterlot? Nous on va à Huffington. Ah, avec les corps? On nous les a signalés à Huffington, alors on les rend là-bas. Mais on devra forcément, au bout d'un moment, renvoyer les autres corps à Canterlot. Est-ce qu'on peut, qui vous les a signalés? Des voyageurs passants. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer au moins le petit portrait qu'on puisse l'amener à sa femme? Petit persuasion. Et peut-être sa corne aussi. Ne pas la corne c'est les pas. Trucs. Alors, persuasion. Si allez, elle veut... let's si go elle veut... Si elle veut la... Oh. Je sais pas si elle veut l'enterrer ou qu'elle ait au moins un truc, parce que bon, un corps... Mais ils ramèneront le corps, mais non, à un moment. Mais ils ouais, vont mais ramener le corps le après. Temps qu'ils vont revenir, la gueule du corps. Hein. Bah, magique, tout ça. Bah, il est déjà carbonisé. Oh. Qu'est-ce que tu veux? Il est déjà pas beau à voir, s'il le vous corps plaît. Ouais. S'il vous plaît. Je peux du faire... coup, avec ton jet, tu voulais te dire quoi? Bah, j'allais demander si je pouvais faire une persuasion pour aider. Bah, généralement, il fallait le demander avant, mais du bah, coup... j'ai pas eu le temps, en fait... Je l'ai lancé avant, oui, j'ai été vite. Du coup,
Elle te regardera, regardera le portefeuille et te le lancera. J'ai d'agilité simple pour bien. Dans la gorge. Et elle dira Twilight Tale. On se. Tu te. J'ai pas le mot. Attelle. Tu t'attelles. Oui, lieutenant. Tu t'attelles à la tâche. C'est rigolo. Rigolo. Je l'ai rattrapé. Oui. Oui. Ouf. Bonne nuit, miss. Les corps, ils sont morts. Le deuxième accident de la route de papa. Désolé. Le corbillard dans le ravin. Désolé. Non, il y avait de quoi se marrer là. Allez, c'est désolé. Parti, les cadavres qui tournent de la charrette. Oh, horrible. Je me sens mal. Kevin, tu me dégoûtes. Je me sens mal. Tu te sens mal après les horreurs que t'as écrites en RP? Oui, justement, ouais. Je me sens mal à chaque fois. Écrase. Pendant tout ce temps-là, Faya, vous aurez remarqué que Fizel n'a pas trop bougé. Ça va aller? Du coup, la lieutenant vous fera un petit salut militaire rapide et se cassera. Ok. Grogal, tu me casses les couilles! Mais t'es pas c'est vous les meurtriers, vous m'avez tué. C'est vous les meurtriers, vous êtes suspects. Putain, on fait juste notre job. Bah, ils auraient très bien pu tuer trois gardes, prendre leurs armures bah oui, et... Hein. Et pour répondre à ta question, ça... Non, ça va pas, non. Je vais lui faire un câlin. Si elle accepte. Où tu m'énerves, toi? Excusez-moi, j'ai un gros cul devant Silver mon ne dit rien. Le lieutenant Stardew dans votre bibliothèque. Je sais pas. Stardew Valley. Donne-moi ton menu. Prends-moi première fois que je vois. Là, comme ça. Bah, du coup, je la berce un peu contre moi et je fais « Là, là, ça va aller, calme-toi. » Et je vais chantonner une chanson de chez moi. Oh, tu vas prendre. Ça suffit. Coucher. En death metal en latin, en latino. Mais Et je chante bien. Je pensais plutôt à une berceuse que ça, mais bon... Malicorne, si joli nom. No. Mauvais RP. J'aime les licornes, elle a l'air de Monique. Putain, mais ferme ta gueule, Lucky. Lucky, ta carte aventure, je vais la prendre. Non. Elle est penchant amoureux, t'aurais pu le jouer. Experience. J'aurais pu le jouer sur qui? Sur un cadavre? Bah, sur la lieutenant. Qui d'un seul coup vient rouge et. Oh, ouf. J'ai pas attiré sa sexualité! Mais les jets les plus importants du JDR, enfin. Bah oh, oui, voyons, ouais. Nous sommes MJ juste pour ça. Pour faire des love interest et qu'ils fassent des bébés pour les JDR de 1000 ans plus tard, les descendants, enfin, bordel. Pour faire un arbre généalogique sur 1000 ans. Tout ça pour finalement préparer d'autres persos qui seront... Ah Harry. Non, au bout d'un moment, elle finit quand même par se calmer. Merci. Bon, retournons à Canterlot. Oui. Mais du coup, qui et comment on l'annonce à la famille? Bah, on verra quand on sera rentré. Il vaut mieux le savoir avant, essayer de penser sur la route. Je sais que c'est pas facile, mais il faudra bien qu'à un moment donné, quelqu'un s'y... Ben... Je suis pas très bon pour les annonces. Je suis pas très bonne pour les annonces. On m'a déjà annoncé la mort de ma mère. J'essaierai de faire quelque chose comme ça. Je peux essayer aussi si vous voulez. J'ai vécu plus ou moins la même chose. Mais non, c'est trop compliqué. Sur le coup, on pourra pas faire grand chose d'autre à part le lui annoncer.
La dernière fois que j'ai tenté de présenter quelque chose, ça a fini au désastre. Mais non, il faut avoir confiance en toi. Je vais vous passer le voyage. Non, on rencontre pas d'autres ombres. Vous passerez 2 jours, donc je vais mettre en... 2 jours dans l'angoisse pour mon perso, parce qu'il a vécu quasiment la même chose, du « Oh, il revient !» Il est mort. Alors, je vais te rajouter des lignes. Je vais te rajouter 3 paragraphes, parce qu'il y en a un qui est vraiment petit. Je lui laisse le temps de lire. Je vais juste faire une petite pause pipi. Pareil. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de lire des paragraphes où Finton s'est mis vachement sans va. Je suis pas mute, hein. Mais c'est pas... On t'entend, c'est reine. Tais-toi. Oh, Finton, c'est vachement sympa. Ouais, alors. Mais c'était sûr qu'il était mort. C'était sûr. Ah, puis là, il n'y a pas Storm pour dire « Bon, bah, votre mec, il est mort. » Mais bon, c'est la vie, hein. Oh, putain. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Silver, il va pas beaucoup parler. Il va pas beaucoup parler pendant le voyage de retour. Bah écoutez, moi, je pense que... les soirs, quand on mange, je chanterai pour détendre un petit peu... l'atmosphère. On te lancera la bouffe de ta gueule. Mais arrête, elle chante bien. J'ai pris de la performance exprès. Mais non, on va pas lui lancer des trucs à la gueule. C'est pas le moment. Méchant. Moi, il sentira mal sur le trajet de retour aussi. Mettre dans la dépression de perso. C'est pas les ombres qui vont les tuer, mais le suicide. Oh bah super. Yes. Bah moi, je vais essayer de réconforter tout le monde. Heureux. Donc tout le monde, il est de retour, je crois. Ouais. Je disais que les soirs, quand on mangeait, elle chanterait un peu pour essayer de détendre un petit peu l'atmosphère. Mm-hmm. Et voilà. Moi, je vais relire mon bouquin. Moi, je vais relire à nouveau mon bouquin. Avoir un poil plus à avoir un meilleur jet. Mais c'est la soirée des fumbles là. Tu perdras ta connaissance. Ok. Sachant qu'il y a 2 soirs, est-ce que je peux recommencer le soir d'après? Oui. Silver, il va essayer de préparer dans sa tête ce qu'il va dire à la pauvre Chloé. Est-ce que je peux pas l'aider un petit peu, même si j'ai bien que c'est pas pour DG, mais l'aider en essayant de me souvenir de plus ou moins ce qu'ils m'ont dit ceux qui sont venus m'annoncer la mort de mon fils. Que mine de rien, il l'avait entre guillemets bien fait. C'est mais du full RP, donc oui. C'est juste que moi, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit. Alors, j'ai pas d'idée, mais imaginons qu'il va essayer de... Mes sincères condoléances, voilà. Manière bien de le dire. Nous avons retrouvé votre époux. Il faudrait essayer de ne pas le dire devant les enfants, par contre c'est à leur mère de... Oui. Mais il faut être rassuré quelque part, puisque la luz de la muerte veille sur eux maintenant. Y compris sur ta mère et sur ton fils. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils sont avec elle maintenant.
Oui, mais comme je connais pas la... J'ai pas bien compris ce que tu voulais dire par là au début, excuse-moi. Elle veille sur leur esprit. D'accord. Je vais vous changer de map. Et ils sont apaisés. Et c'est à ce moment-là qu'on fait un flash forward, c'est ça, parce qu'on n'a pas besoin de le faire. Quoi? Hein? N'est-ce pas MJ, hein? De quoi? Ainsi, hein, on fait une ellipse, parce qu'ainsi, on ne fait pas le saut, la présentation de condoléances, hein, on est d'accord? Ah non, non. Mon perso, il... Là, du coup, la musique, elle va pas du tout avec l'ambiance. Hein. Allez, on veut une musique triste, horriblement chialante! Je chiale, putain! Et ce chat casse-couille! Dégage! Oui. La musique sacrifice. Ah d'accord. Je regarde les autres du coup et... Je regarde les autres et... Je fais un signe de tête pour dire que c'est moi qui m'en charge. Toi sûr, Silver? Il peut le faire, hein, si ça va pas. Non, non. Je peux. D'accord. Elle va quand même lui faire un petit câlin s'il se laisse faire. Il dit rien, il dit rien de plus, Silver. Pour l'encourager, petit câlin. Il se prépare mentalement. Et du coup... C'est trop mignon, il a les deux côte toc, à toc, côte. Toc toc. Toc, okay. Toc toc à la porte. Frappe à la porte. Tu entendras des petits sabots qui se rapprochent. J'essaye de changer de... d'expression du visage pour pas avoir l'air trop grave, morne. Ouais. Hop, le petit qui ouvre la porte. Bonjour. Ah, c'est vous, gueule d'ange toute jouasse. Ah, c'est vous. Alors, rentrez. Maman, c'est les aventuriers qui ont retrouvé papa. Il aurait dû tellement le goumer quand il a ouvert la porte, le gamin. Ah, très bien. Bonjour, messieurs. Je termine en cuisine et je suis à vous. Hola. Je pourrais vous parler en privé. Oui, bien sûr. Harid, tu veux bien aller emmener les autres dans la chambre? Oui, maman. Vous allez jouer dans la chambre en bas, puis voilà. Ouais, jouer dans la cave. Et moi, je regarde les autres pour faire pour être sûr que les enfants écoutent pas. Bah sinon, on peut aller jouer avec eux au pire. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais proposer. Vous voulez que j'aille jouer avec le vieux papy? Moi, je fais un petit signe de tête pour vous dire d'aller vers les enfants. Non, mais on demande à la mère parce que c'est pas nos gosses. Hein. Oui, voilà. Non, mais d'aller vérifier qu'ils soient bien descendus. Je dis pas qu'ils aient joué avec. Ouais, mais c'est sa maison. On peut non plus se balader. Ah, tiens, hop, je vais aller voir là-bas. Je vais aller faire le vieux pervers là-bas. Je vais aller casser des pots pour avoir de la thune. À l'instant, je termine du coup la cuisine. Elle termine de couper ses quelques fruits, se retourne, s'essuie les sabots sur le... Enfin, ses ailes sur son tablier. Alors, il est où? Et du coup, elle ne répond pas. Vous devriez vous asseoir. Parce qu'en fait, les questions que vous lui avez posées, c'était pas RP. Bah, si. Bah, mais vous avez dit, on va lui dire de machin, bah dites-le. Mais moi je l'ai dit. Ah, j'ai pas entendu. Bah voilà. Bah moi j'ai dit aussi. Oui, Golden aussi il l'a dit. Ça vous dérange si je joue avec les gosses? Si on va. Ah non, allez-y. Bah du coup je regarde le PEP. Je vais aller soutenir Silver. Donc du coup elle termine et se retourne. Je vais aller avec les gosses. Et Madame Leaf, devriez vous asseoir. Sourire qui s'affaisse doucement. Oh là. Prend une chaise du coup et s'assoit. Et... Du coup, je lui tends le portefeuille avec les portraits et je lui explique. Je lui explique.
qu'on a eu confirmation que son mari était mort sur la route. Dis-le en RP. Madame Leaf, c'est pas de façon simple de dire ça, mais je tends le portefeuille vers Flora Leaf. On a eu confirmation que votre mari était mort sur le chemin du retour de Huffington vers Canterlot. Elle reste blême un moment et elle se pose un de ses sabots devant sa bouche, enfin ses deux sabots, genre... Non. Je suis désolé. Je lui mets un sabot sur l'épaule. Toutes mes condoléances. Ses yeux qui s'emplissent de larmes, progressivement. Elle vous regarde un à un, genre... Vous me racontez des cracks, c'est pas possible, mais... sans rien dire. Je lui retends le portefeuille, gentiment. Elle le prend doucement. Elle l'ouvre et regarde un peu les portraits qu'il y a dessus. C'est pas mon mari. Mais c'est pas à moi. Oh, non, tant mieux. Non, non, et c'est non, qui cette pute là qui est avec lui? C'est qui cette pute? Et là, il a une double vie. Est-ce que je peux dire ou non, je dirai après. S'il vous plaît. Vous m'avez tué. Mais tu t'es tué tout seul, du con. C'est toi qui as cassé l'ambiance. Ils m'ont tendu la perche. Non, fallait pas apprendre, fallait la gifler la perche. J'en profite pour dire que j'aurais rendu l'argent à Silver du coup si j'avais pas. J'aurais filé l'argent à Silver. Donc elle regarde les photos, elle tremble un petit peu, une larme coule sur les portraits. Ah bah ça va tout saloper la peinture. Ce qui effectivement salope un peu, mais ça va, c'est bien intégré depuis. C'est traité. Non mais j'essuie le. Au moment où je vois la larme qui coule dessus, j'essuie directement pour éviter que ça abîme. T'auras pas trop le temps parce qu'elle le serra très fort contre elle et se mettra vraiment à sangloter très fort. Je lui masse un peu l'épaule, c'est enfin le dos, enfin les omoplates, enfin bref derrière là. Ouais. Winter, Silver, il va falloir que j'arrête là. Silver, il s'est assis pour être un peu plus à sa hauteur parce que bon. Là, la masse de... Elle s'est totalement laissée tomber les ailes. Enfin, elle les retient plus pliées, en fait. Elles sont dépliées, pas gisant sur le sol, mais... Ouais, c'est... Elles pendent, voilà. C'est le mot que je cherchais. Pendent par terre. Et elle quête pas mal fort. Nous sommes désolés. Silver, il va rien dire et si elle se laisse, il va essayer de maladroitement de faire un câlin quoi pour de son côté parce que lui ça lui fait vraiment penser à quand sa mère est morte et la réaction de son père quoi. Elle bougera pas plus que ça à la câlin, mais sanglotera de plus belle. Je dis rien. Nous vous rendrons l'argent. Il a fait signe à Silver de donner le. Silver va te tendre la de son sabot libre et il va te tendre la bourse de pièces à ce coup-là. Bah, du coup, elle la prend avec sa magie puis elle la dépose. Aux pattes de Flora, c'est ça qu'elle s'appelle ? Elle te repoussera la bourse. Non. Gardez-la. Non, madame, vous en aurez plus besoin que nous. Nous n'en voulons pas. Elle n'insistera pas plus. Nous sommes désolés, nous aurions préféré revenir avec une autre nouvelle. Elle dira,
Elle dira trop rien, continuera de sangloter. Une patte-patte, le dos. Silver, du coup, il regarde ce coup-là en faisant signe qu'il faut... Que là, c'est... On pourra rien dire de plus, quoi. Mais elle reste à la consoler comme elle peut en lui câlinant le dos. Silver, il a carrément la patte passée autour et il la laisse sangloter sur son épaule. Elle vous repoussera au bout d'un moment quand même, 5-10 minutes plus tard. Il se reculera au moment où elle repousse. Moi aussi. Et je vais vous demander de me laisser seul. Bien, madame. Je comprends. Mais merci quand même. Et vais chercher les autres. Je me disais aussi, il y a bien quelqu'un qui va venir me chercher. Elle te suivra quand même parce qu'elle va aller chercher ses gosses. On est parti à deux, Golden. Ouais. Oui, je sais. Nous chercher, pardon, excuse-moi. Comme ton token est petit, que je suis dézoomé, on aurait dit qu'il y avait un autre enfant. Salaud. On avait 5, pas 6. Oui, ce que je me disais. Oh. Je me suis dit, ça fait un ami. Bien. Vous pouvez venir. Elle vous laissera remonter et elle vous saluera, vous montrera la sortie et descendra. Les gosses qui étaient encore très joueurs, avec un grand smile, commencent à voir leur mère qui... Ça va, maman ? Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? J'ai envie de pleurer. Avant que qu'elle s'en aille, Silver aura dit que si elle a besoin, elle pourra toujours nous envoyer une lettre si elle a besoin d'elle. Elle te répondra pas. Ouais... Il se doute qu'elle répondra pas, c'est juste il fait l'offre parce que. C'est tout. Je chiale, putain. Si vous voulez qu'on vous apporte plus de mauvaises nouvelles. Avant de sortir, vous entendrez quand même vite fait quelques petites paroles du. Faut que je vous annonce quelque chose, les enfants. Mais espèce de monstre! Mais ça suffit! D'une voix tremblotante et la porte sera refermée derrière vous. Ruru. Oui. Je viens de verser quelques larmes, sache que tu me le paieras. Je suis assez content de ces larmes versées. C'est pas dire de me faire chialer après. Hein. C'est ça. C'était sûr qu'il était mort, mais c'était bien mis en scène. Arrêtez, moi je pensais que ça allait pas se passer du coup, comme ça. Que ça c'est fini, j'allais dire. Moi, je suis peut-être trop optimiste, mais j'ai envie de me dire, c'est peut-être pas le seul licorne bleu qui existe, le corps est brûlé, ça se trouve c'était pas lui, mais un gars qui avait volé sa bourse, mais qui lui ressemblait. Peut-être, et on mais pense ça que fait c'est beaucoup ça... de coïncidences quand même. Hein. Mais non, regarde, c'est arrivé. Cab, t'as fait pleurer Cab. T'as fait pleurer Cab. Oh merde. La reine, je te dé... Non mais moi, tu m'as même fait pleurer là, merde. Reine, deuxième JDR à chercher le token du mari. En fait, c'est juste depuis tout ce temps, t'as toujours pas trouvé de token. Du coup, tu trouves toujours une raison. Je vais vous donner la véritable raison. Au début, j'avais prévu effectivement qu'il meure. Puis Cab a fait, enfin pas Cab, puis Gal a fait. Ah ben c'est le mari de Flora. On sait qu'il est mort. Je me suis dit. J'ai envie de le contredire, je vais faire en sorte qu'il soit encore en vie, qu'il lui arrive autre chose. Et j'avais la flemme de chercher j'avais la flemme de chercher un token. Mais t'avais même pas en chercher un, t'avais juste un recolo, ça te prenait 2 secondes. Et vu le nombre de tokens que t'as, y'en a pas un qui allait servir à rien. J'avais la flemme dans le plot 1, donc... Ah mais quel trou de balle.
Je suis très bien comme ça. Je suis le seul qui a pas pleuré. Reine, je t'annonce, si tu participes à mon prochain OS de Dungeon, si jamais j'en fais un, tu commenceras avec 3 beignets en moins. C'est pas très gentil de se venger. C'est triste, tant de ça, elle a fait une fausse couche, c'est dommage. Ah là là. Vivement que Blaze meurt, oups. Et du coup, elle a allé récupérer Bloodbound en prison et vivre une idylle ensemble. Du coup, en partant, Silver va pleurer en disant qu'il pleut. Voilà, arrête. Enlevez-lui ce béni qui lui reste. Non, rends-moi ce béni tout de suite. Enlevez-lui le béni qui lui reste. C'était pas... Je suis désolée. Rentrons, il se met à pleuvoir. Bah mais non. Du coup, je vais suivre son truc. Mais enfin, Silver, il ne pleut pas. J'ai pas compris. S'il pleut. Je lui fais un câlin. Et tu remarques qu'il pleure, parce que c'est ça qui pleut, en fait. Oh, oui. Il pleure. Oui, non, mais... La référence à Full Metal. Mais du coup, si Fizzle se met en dessous de Silver et qu'elle reçoit des larmes, il pleut. Bref. Non, mais regarde, c'est Silver et ses deux bitches, là. Elle lui fait un câlin pendant deux secondes et puis ensuite elle se dégoûte pendant un petit instant. La chaise. Et Winter il sanglote pas juste. Mais arrête de dire Winter. J'en ai marre de ce lapsus, putain. Mais j'essaie de faire attention en plus. C'est toi qui suce. Il fallait faire des couleurs différentes, ça, une autre crinière. Non mais ça n'a rien à voir. Il ressemble pas du tout. Je sais bien, mais il a une crinière qui est grisâtre, blanche, du coup. J'essaie de trouver des excuses. Messieurs, dames. Oui. J'ai bien envie de continuer, mais je me dis que c'est une très bonne note pour terminer. Non, mais surtout que moi, demain, au stop. Donc je vais terminer la session ici. Et je vais vous offrir à tous un avancement. Durement gagné, j'ai envie pendant, de dire. Pendant tout ce temps-là, j'étais en mode est-ce que je me démute et est-ce que je dis Galstra, utilise la carte penchant amoureux sur Flora. Ah, putain, fils de pute. Mon mari est mort, mais vous savez, vous n'êtes pas si mal. Quelle horreur! Ren, il a eu, la dernière fois qu'il y a eu Flora dans un JDR, Ren, il a passé tout le moment où il l'a joué en mode tu veux pas te mettre avec moi à mon perso alors que j'étais vraiment genre méga coincé à l'époque. Beaucoup plus que maintenant. Alors est-ce que t'aurais accepté, Galzra? À l'époque, non. Là, est-ce que t'aurais accepté? Si je t'avais proposé de prendre la carte penchée amoureuse, non, alors, j'aurais pas accepté non plus. Parce...